Normalement, on voit le jeu là. Salaud! Là, c'est quoi cette joue en WASD? Bah, je vois pas TV, en live en fait. Par contre. Je préviens. Bon, moi, t'es pas en live, Nat. Le live a commencé pourtant, attends deux secondes. Bah, je veux bien attendre, mais ça, ça fait quand même un moment. Merde! Bah, j'ai un peu pété la maison avec une flèche que je voulais pas tirer. Ah, c'est bon. Hop! On est bien sur le toit là en fait. Bah, bon, sur le toit, on est bien. Ouais, on est bien sur le toit. Bah, mais je suis censé être le tank. Tu vas taper, bordel! En fait, c'est bien, ils nous sucent le cul, mais ils font rien. Snipolé juste. Attends, j'arrive. Mais me faire sucer le cul, moi, c'est pas trop ce que j'ai envie. Donc... Ouais, non, c'est bon, je suis en live. Ah, mais attends, est-ce que c'est une nuit de sang? Enfin. Attends, mais il y avait le corbeau, il a disparu. Elle là. Salut, ça. Attends, quoi, je suis plus en live? Attends. Mais si, t'es en live. Non, ça c'est vrai, mais de temps en temps. Ouais, non, je suis encore en live. Le vois ton live? Ah, mais attends, j'ai méga la table. Oula! Donc oula. De temps en temps, on peut se faire agresser par par des mobs. Ah ouais? Ah yes, des mammouths. C'est pas étonnant. Oh, pourquoi tu me parles de mammouth? Mais c'est pas, t'as dit mammouth, non? Non, j'ai dit mob. Ah! Tu me disais qu'est-ce que tu dis? Y'a des mammouths? Je lui dis aussi qu'est-ce que tu nous chies. Bon, moi je vous propose. Ah oui, alors attends. De maison. On fait quoi? Ah, ah oui, 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 on devait améliorer la maison. Il y en a toujours. Je propose que j'aille chercher du bois. Et on en a pas déjà assez. Que vous faites, parce que j'avoue que le craft me fait un peu chier. On en a pas genre déjà pas mal. Bah, ça consomme vite. Hein. Si on peut se faire une petite rempart, ça serait le top en vrai. Et bah, avant de la rempart, faut déjà agrandir la maison. Bah, agrandissez la maison. Je vais chercher du. Ça peut que être bien d'avoir plein de ressources. Moi, je propose qu'on laisse juste la porte. Bah, je vais faire un entrepôt, tiens, à la limite. Par contre, les ressources. Bah, pour mettre tous les coffres. Qu'on agrandisse déjà la maison. Qu'on ait des lits. Faites des lits aussi, hein, si possible. Aussi. Parce que respawn 20 km à chaque fois. Comment on fait ces clés? Oh, on peut le péter cet être! Meurs, sale arbre! Ah oui, d'accord, et ça fait un tronc qu'on peut péter! Oh, et j'ai des graines d'être! Il y en a déjà deux dans le coffre, normalement. Comment on casse les murs? C'est clic molette. Ouais, c'est clic molette. Bah normalement c'est mon clic droit mais il marche pas, enfin, mon un clic de ma souris mais il marche pas. Ah oui, ça rapporte masse bois. Du coup on des attends, il fait nuit, on va éviter de casser la maison peut-être. Ah oui. Oui, non, d'accord, j'avais pas modifié. Okay. Non, c'est bon. Hop. Normalement c'est bon. Ah, des sales bêtes. Non, fini, on va éviter de nuit, en vrai ça dérange pas, je crois. Bah ouais, mais vaut mieux quand même éviter au cas où. Même des fois qu'on se fait à nouveau agarre par des monstres. Attends, déjà en vrai, on met ces escaliers là. Est-ce qu'il faut que je chasse du cerf aussi? C'est toujours bien d'avoir pas mal de bouffe. Charge des cerfs, des grenouilles, chasse tout. Bah, j'ai tué un cerf là déjà. Bute tout ce qui bouge. Sanguis, ça nous permettrait de faire plus de craft en fait. Bah ouais, mais je chasse ce qui m'est proposé. Oui, non, mais pas. Je suis un cerf, je suis un homme simple, je bute le cerf, bon. Dès que tu vois un sanglier, tu le déboîtes, cet enculé. Ok. On peut faire des palissades en bois, éventuellement. Est-ce que toi, je peux t'avoir? Attends, si j'enlève tout le bas, enfin, tout ce qui relie le toit à la maison. Ah, est-ce que tu penses qu'il y a une gravité? Le toit reste. Le tronc d'arbre a une gravité, donc j'imagine que oui. Bah attends, on va voir ça tout de suite. Moi je reste pas dessous. Hein. Ah, ça casse tout seul. On dirait pas qu'il y a de la gravité. Non, ah si, il y a de la gravité, mais ça c'est lentement. Ah oui, d'accord. Ah, c'est en vrai, c'est bien fait. J'aime bien. Ouais, ça va, ça va. Bon, moi c'est salvette. Je propose qu'on parte du principe que cette merde. Ah oui, mais attends, mais il y a des cailloux de mort, elle était rien pas plat. Du coup, là, on peut plus craft d'établi. Hein, ah ouais. Là, faut vraiment construire au moins un toit, quoi.
En vrai, est-ce que ce serait pas mieux qu'on se décale un peu? Après, s'il faut, Ouais, faut si je déplacer la pense. maison, c'est maintenant, quoi, du coup. Bah ouais, c'est ça. En vrai, ça va être chiant sinon. Ouais, bah faudrait qu'on se trouve un nouvel endroit pour mieux s'installer parce que. Ah oui, je crois que je peux aplanir le sol avec la houe. J'avais vu. Il faudrait que tu la planisses au moins. Oh, regarde Mais ce le que ça problème, fait c'est qu'en vraiment. fait, on est vachement proche de cette grosse pierre de merde. Et les grosses pierres, c'est après le premier boss. Ouais, mais genre, je sais pas. Ouais, non, là, t'as un caillou. Là, non. Là, si j'aplanis Ouais, le... par là, là. Après, là, ouais. Attends. Alors, je vais regarder comment ça marche En vrai, l'arc. c'est assez marrant parce que le bois hêtre, on peut le péter, mais le bouleau, non. Le bouleau, c'est trop dur. Peu importe la taille du tronc, c'est le type d'arbre qui compte. On dirait pas que ça a été aplani, on dirait que surtout que t'as enlevé l'herbe. Attends. Oh! Mmh. Oh! Hmm? Il y a une physique entre les arbres. Si ton tronc tombe sur un autre arbre, il peut le faire tomber et il peut rester coincé sur l'arbre. Aider. Là, j'ai un arbre qui, du coup, est complètement en l'air. Ah non! Ouais, non, on dirait pas que ça change, hein. Ah, pourtant, le truc s'est bien mis à aplanir le sol. Ah, c'est pas à toi que c'était tombé dessus, Johan, Si, un si. tronc d'arbre? À nous Oh deux. là là! À nous deux. Ça pique le cul! Oui. Bon, est-ce que c'est ça aplati là? Pas du tout. Ah non, on dirait Et c'est peut-être. juste ça défraîchit le sol, quoi. Et voilà. Attends. À la limite, c'est bien si vous posez les bases d'une maison là-dessus, mais. Ah Ok, si, on il y a. a un trou là! Non, attends, je crois que j'ai compris. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, t'as plané vraiment. Là. Ça y est, j'ai compris. Pas mal là. Ah oui, c'est bien plein là, t'as bien compris le système. En En attendant fait, que tu finisses d'aplanir, je vais voir pour tous les grenouilles, j'ai mais ouais, c'est clairement bien. branlé parce qu'en fait, tu dois être à la hauteur pour aplanir. Ça, d'accord. C'est un peu bizarrement Hop. branlé. Par contre, il n'y a plus beaucoup de sangliers autour de la maison. Il y a surtout bah, du cerf. On va pas se plaindre. Bah, on s'en branle, tu butes aussi beau, c'est tout. Ah oui, non, je bute, mais. Si c'est du cerf qu'il nous fallait, c'est un peu relou. Bon, niveau bois, là, j'en ai à peu près 80. Si je pète la table de craft, on la récupère Reconstruit. pas. On On la l'a récupère. reconstruit, je crois. Mais je crois Non, que c'est pas tu utile récupères pour du moi. bois, mais tu la récupères pas elle. Oui, mais je crois que ça coûte pas très. Ah, mais par contre, le bio, ça va être un peu chiant. Bon, c'est pas grave, tu peux toujours le refaire plus tard. Oh, un sanglier! Oh, mais c'est que du silex. Ah, débile! Il s'est suicidé tout seul. Principe d'un suicide en même temps. Bien vu ça. C'est vrai que le terrain n'est pas très plat. Hein. Ouais, t'as essayé de défricher le terrain, ça se voit. Le bio sert à quoi concrètement? Là, rien pour l'instant. Améliorer la table de craft et les outils que tu peux faire avec. Il n'y a plus de table de craft. Attends, je la Attends. pose. On va peut-être mettre ça dans un petit coffre, le bois, que ça ne prenne pas trop de place. Alors, l'entrée va être où? En vrai, est-ce qu'on ferait pas d'abord la maison et après on pose la table de craft? Bah si, c'est mieux. Ah, mais il faut la table de craft pour la maison. Ah, mais la table de craft, il faut Ah faire ouais. déjà une maison pour l'avoir. Non. Si, il faut un terrain Non, pour la maison. tu peux faire un Non, établi comme faut ça la et faire. utiliser les trucs de construction après. Mais voilà, mais tu peux pas construire la maison sans la table de craft. T'as besoin de ressources peut-être? Non, je croyais que t'attendais. On va la mettre comme ça. Désolé, je mets de la viande crue, mais j'ai pas le temps de la faire cuire. Je vais la Voilà, faire cuire moi maintenant alors. on peut faire des murs. Vous avez un petit creux. Le problème, c'est qu'on n'a pas Attends. énormément de. C'est quoi ça? Ça, c'est du chêne. Est-ce que le chêne, on... Non, c'est trop dur.
pas vraiment beaucoup. Est-ce que j'ai planifié encore ou j'ai encore ou pas Nat? Ça me paraît bien assez plat comme ça. À la limite, plus à gauche, mais ça me paraît assez plat comme ça. À gauche, là où je vais, là Ouais, par là. Ouais, ça me paraît bien par là. Et surtout, cette butte-là. Ah oui, ok. Ah, merde. En fait, quand t'es dessus, tu vois pas du tchier. Encore là ou c'est bien? Là, ça me paraît bon. Allez, on va dire banco. Hop, j'ai explosé la mouette. J'ai gardé un gros con avec ma houe dans la main. Par contre, il n'y a que du caribou, quoi. Après, vous pourrez vous faire des tuniques en cuir, c'est déjà ça, mais... Pas en tunique en cuir. J'ai toujours pas de pantalon, j'ai que le haut. Ça a un petit creux. Oui. En fait, le petit creux, c'est pour dire qu'il n'y a plus le... Que t'as plus... Merde. Ah, mais je peux pas... Bah... Que t'as plus le bœuf de santé. Que tu auras bientôt plus le bœuf de santé, plutôt. Ah, moi, c'est quand je l'avais plus. Est-ce que je le pète maintenant, le bio? Bah, de toute façon, s'il nous sert à rien. Il redonne le silex. Oh, trop bien. Peut-être... T'as déjà pris les pierres au bord de la rivière, toi, Nat? Ah, je trouve 6. Tu peux toujours aller les reprendre, une... Non, mais je veux dire, il y en a plus, t'as... Normalement, t'as clear la zone. Attends, déjà, je sais pas. Se mettre d'accord, on la met où, la porte? Bah, en face de l'établi. Alors attends, elle s'ouvre dans quel sens la porte? Attends, la poignée, quand elle est à droite, c'est que tu pousses? Je pense, oui. Attends, je regarde sur ma porte. Ah, Pierre. Pourquoi tu mets des toits? Bah tu sais, comme les visions vikings, elles commencent directement par le toit, sur le côté. Bizarre. Alors, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça fait perdre la place en vrai. Bah tu veux que je détruise? Bah ouais. C'est vous les maîtres architectes. Mais en vrai, je vais perdre un peu de place quand même. Sinon, il y a plus raide que ça. Mais si le toit, c'est pas ton truc. Attends, t'as de la pierre? Oui, il y en a même dans les coffres. Ah oui, c'est vrai, putain, c'est moi qui ai rangé les coffres. Ah mais attends, mais il y a un gros caillou au milieu de la maison là, dis-moi. Oui, mais il vaut pas gêner. Hop. Des fois, il y a des petits poissons qui nagent, mais ils nagent hors de l'eau. Merde! C'est un problème. J'ai trop remonté. Il a trop remonté. J'entends des bêtes. Silex, ouais, petit silex. Voilà. Ça va être pas mal déjà, non? Je retourne vers le spawn dans l'espoir de trouver des bestioles qu'on n'aurait pas exterminées. J'en entends une là. Oh là-bas. Un gobelin nous approche. T'es mort. Pourquoi j'entends des bruits ésotériques? Bah, le gobelin est mort. Un sanglier de mort. 2, 3, 4. 1. 2 de mort. Vous pensez qu'il y a une physique de la fumée, genre elle pourrait rester coincée si tu mets un toit dessus?
Bah, Yohan a failli s'étouffer dedans, donc oui, je pense. De quoi? Genre une physique de la fumée. Tu te rappelles pas quand t'avais un truc, vous ne pouvez pas respirer à cause de la fumée? J'ai jamais vu ça, moi. Si, si, moi si, je l'ai eu, mais... Ah bah c'était Nat alors, pardon. Mais j'étais en train de manger, j'ai jamais vu ça, ma bonne dame. Et vous, moi, t'es Dolores. Mais Ray, il est fou. D'ailleurs, je vais voir ça, c'est vraiment une physique de la fumée, alors je vais passer un truc temporaire. Pas de ce côté-là. Moi, ça y est, c'est passion BTP. Hein. Attention. Je vais voir ce qu'il y a de l'autre côté du spawn. Ah, c'est vrai que du coup, il y a un caillou chez nous. Ah, ce sera notre caillou de compagnie. Ah, un amour. On n'a pas fait une crème. On n'a pas fait mieux que lui. Depuis. Putain, la portée de la table de fabrication me trigger. Oh non! Me fait attaquer par des crapauds. Ça oh là là. Buter le sangloche. Ah, saloperie. Mais il me suit. Ah, les crapauds, pire truc. Ah, j'ai plus de bois, putain. Dans le coffre, normalement, il y en a pas mal. Ah, c'est ça, il y a une physique de la fumée, regarde. Ah, bah, c'est un étale-feu même. J'étais vraiment en train de me demander qu'est-ce que tu branlais. Hein. Bah, je regarde s'il y a une physique de la fumée. Oui, il y a une physique de la fumée. C'est même étale-feu. J'étais vraiment en train de me dire, je crois que c'est un gogol. Même si je le pense toujours. Alors, le craft. Niveau flèche, ça baisse, ça baisse. Bah, du coup, ce serait bon à savoir qu'il y a quoi, qu'il y a une physique de la fumée. Faudra faire une cheminée dans la maison. Si on veut faire un feu dans la maison. On fait un second étage de mur comme ça. Elles sont là. Quoi. Ah mais attends, je peux mettre un plancher. Attends, je vais avoir la joie de découvrir ce que vous avez fait après. Ah mais du coup, faudra que j'aplanisse encore, parce que je crois que c'est un peu bas. Ouais. Ouais, t'aplanisse un peu partout. J'avais pas vu qu'on pouvait mettre un plancher. Attends, en vrai... Attends, tu peux enlever ces planches-là? En vrai, je vais me mettre de là et je vais aplanir à partir de là. Dis-moi, quoi, est-ce que je peux poser les planches? Là, tu peux poser dans le coin, là-bas. Mais attends, il y a un gros trou. Putain, hein, je regarde sur le stream, j'avais... Waouh, c'est beau! C'est massif, hein, par contre. Ouais. En vrai, je me demande si je vais pas rehausser un peu quand même. Là. Y'a pas beaucoup de sangliers. Hein. Y'a des endroits en vrai, où tu peux voir avec le plancher que c'est pas très, très bien taillé. Posé quoi. Bon, j'ai peut-être pas de sangliers, mais j'ai pas mal de cerfs en vrai. De cerfs. Un gobelin! Ça fait toujours des tuniques en cuir. Hein. J'ai toujours l'intention d'avoir ma cape. On va prendre une petite viande. On va avoir une armure. Une petite viande, ça booste la santé vu que je suis en explo tout seul, ça va être bien. Prends aussi la viande de crapaud, j'en ai fait cuire. Bah mais je suis parti moi, tu le sais. La prochaine fois tu penseras. Si on regarde la map, tu vois que je ne tue pas du tout à côté. J'en doute pas. Un petit champignon. Ah, il faudra activer la visibilité pour les autres joueurs. C'est pas sauvegardé, ça. Ah, c'est pas sauvegardé. Ah oui. Je l'active. Ah, il y a Marion, Racher, Milad, Hit My Pussy qui joue à Wallpaper Online. C'est même pas un jeu. Ouais, c'est Steam qui le dit. Hein. T'arrêtes de triquiter. Attends, j'ai de voir des poissons, mais on peut pêcher. Oh. C'est même dans le trailer du jeu, un mec qui pêche. J'ai jamais vu, mais dans le trailer, il y a un mec qui pêche. Ah, donc on est au bord d'un petit lac, ça va être bien ça. Pour de la pêche. Ouais. Bon, la faune sauvage, je suis en train de la dépauper. Oh, un sanglier. Oh là, j'ai pris un freeze. 1, 2, 1. Vas-y, viens là. 2-2.
Il est où le troisième? Salaud! Il s'enfuit. Putain, fais chier. Je sais pas s'il y a besoin de silex, mais j'en récupère. C'est toujours bon. Attends. Ah, c'est de la merde. Très paisible ce petit jeu. Si jamais vous êtes humide, allez sur le feu, ça vous sèche très vite. Oh, une saloperie de bestiole. Mais... pour sécher plus vite. T'es rentré dans le feu littéralement, d'accord. Oui. Il y a être plus proche et être dedans. Ouais. Pas le même truc. Ah, de l'herbe à pousser là. J'arrive pas à planir ça. Ça me rend dingue. Bah, on a qu'à poser des planches dessus. Oui, mais les planches elles passent au-dessus. Ça me rend ouf. Non, la porte, elle trigger. Pourquoi elle trigger? Oh, regarde bien sur le stream. Bien sur le stream, tu peux le voir, Justin et Yo-Yo, mais regarde la porte. Quoi? Bah, elle trigger. C'est la porte qui trigger. À cause de la planche, elle est pas carrée. Les planches, elles sont pas alignées. Je comprends pas ce qui se passe. Ah oui, d'accord, ok. Mais c'est peut-être moi qui ai mis les murs en mode... En mode extérieur à l'intérieur. Ouais, parce qu'en fait, t'as plusieurs manières de mettre le mur. C'est pour ça, je crois que j'avais fait l'inverse, je sais plus. Quand j'ai fait les bases de la maison. Enfin, de l'ancienne maison. En fait, si tu veux, t'as juste à péter tous les murs. C'est déjà pas mal. Regarde, je vais te montrer que tu peux l'aligner. Bon, faut qu'on compte le système de... Voilà, enlève la planche maintenant. Et tu la mets en fonction du mur que je viens de mettre. Non, ouais, mais tu serais plutôt péter la porte plutôt que le mur. Non mais vas-y, remets la planche. Ouais mais du coup maintenant tout est à refaire. Peut-être plutôt la porte pour qu'on ait tout à refaire. Mais la porte je crois pas que tu puisses la mettre dans le sens que tu veux. Non mais il a raison. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu fais chier? C'est que j'allais prendre l'option la plus chiant. Qu'est-ce que tu fais chier? Du coup faut que je fasse ça. Oh, une cahute. Voilà comme ça c'est mieux. C'est mieux en... Voilà. Le problème de ça que ça peut pas s'aplanir. Essaye maintenant, mets-toi sur la planche. Mais non, mais le problème, c'est que ça aplanit rien. Même quand je suis plus bas, ça aplanit pas. Yaaaah! Non, en fait, j'ai l'impression que ça, je ne pourrais jamais l'enlever. Attends, et si... Ah, un coffre! Oh, des flèches, ça fait plaisir. Du silex, ça fait plaisir. Sinon, tu aurais l'air. Bah. Ouais, mais. Des masses de caillasse, quoi. Mais le truc, c'est que c'est le seul endroit qui est entre guillemets surélevé, quoi. Ça veut dire. Non, tout je pense que là aussi. Bah, attends, on peut placer le plancher et voir là où ça va pas. Ouais, je vous pas. Je peux vous dire, la maison va être décorée de têtes de cerf. Hein. On va pas mettre que ça, par contre. Une tête de sanglier, peut-être aussi. Des écus, on peut mettre des écus, c'est beau les écus. Merde, attends, il y a des couilles de fête là. Je suis heureux d'apprendre que quand je pars à la chasse, vous faites des couilles. Oui. J'ai pas tardé à rentrer. J'ai un plancher, mais on le voit pas. Pas tardé à rentrer, hein, je suis un peu full de tout. Ça, j'allais dire que Kayou nous fait chier, mais non, c'est bon, il passe à travers. Ouais, c'est magique. Ah, petite pause patoche. Ah, j'ai plus de bois. Pause patoche. Ouais, ah, ouais, mais mec, j'étais tellement concentré que j'étais en train de me chier.
Oh, un sanglier. Oh, bute-le. Attends. Je suis en pause. Ah non, non, il n'y a pas de pause pour ça. Non, mais t'inquiète, il bouge pas, il m'a pas repéré. Oh, attends, je sais. J'ai une idée. Nad, j'ai une idée de ouf. Mmh. Est-ce qu'on peut faire des escaliers? Oui. Ok, fini. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ah. Ouais. Par contre, ne regarde pas de mon côté, parce que c'est vraiment dégueulasse ce que je veux faire. Ok, c'est quoi? Ah, est-ce que tu penses qu'il y a une physique de l'eau? Genre, tu peux creuser des canaux ou pas? Très certainement une physique de l'eau. S'il y a une physique de la fumée... C'est vrai. C'est vrai. Comme ça. Ah, mais moi, j'ai toujours 3 barres d'endurance, quoi. Mais ça redescend avec la bouffe en fait. Enfin, ça dépend de la bouffe que t'as. Bah, tu peux prendre une queue de truc et de la viande. Ouais, mais j'avoue que vu qu'on. Je vais pas me fight, ça sert un peu à rien. En pot de sanglier, j'en ai que 9. J'ai 11 pots de serre. Oh là, j'ai planché le tout normalement là. Là, j'ai tout planché. J'ai un peu de mal à comprendre le... Des nains gris, non, je sens qu'ils vont me péter le cul. Non, je vais faire demi-tour. Ils me suivent, ils me balancent des cailloux. Salaud. Pendant que tu terraformes, je vais fermer un peu le... Bah non, ils sont toujours pour respawn parce qu'on est trop près. Bah, du coup, je coupe du bois, ça c'est quoi? Chêne. Ah, le chêne, c'est trop dur. Non, l'être, on peut le casser. C'est le seul qu'on peut casser, peu importe la taille. Ok. Dans ce cas, j'ai cassé de l'être, récolté un peu de caillasse aussi. J'en ai plein, hein. De la caillasse. Ouais, mais c'est pour la et maison, au cas où. Et du bois, j'en ai récolté. Vous en avez plus? Ouais. Enfin, après, s'y conclut, mais... Bah, je vais rentrer, parce que là... Je commence à plus trop avoir de flèches ni de rien. Ah mais je pensais que c'était lui, mais non, c'est un gobelin. Les plus gobelins. Oh, une prairie de sangliers, ils sont 4 ou 5. BG. Et de 1. Mais attendez, mais il y avait une tour juste à côté de chez nous. Une quoi? Une tour wiki. Mais y'a rien, y'a que dalle. Ouais, je sais, mais y'a quand même une tour. Y'avait vraiment que dalle. Mais c'est la tour, elle est toute pourrie, elle est pétée. Ouais, mais elle est sympa comme modèle, on peut la garder genre en guise d'exemple. Ouais. Ah, c'était parti. Oui, merci de me dire quelque chose. Merde, mais où elle est pétée? J'ai buté tous les cochons. Tu veux pas la réparer parce qu'il faut que tu. Ah, mais non, mais je peux plus réparer ma ouf. Faut que t'aies un toit. J'ai trouvé une caillasse. Putain, par contre, l'effet de l'eau est incroyable. C'est-à-dire il y a une sorte de sanglier légendaire là où je suis. C'est-à-dire l'effet de l'eau. Bah, tu alors... la pluie sur les textures, t'as un effet. Ah oui, je vois. Alors, ça va peut-être paraître très con ce que je vais dire, mais la flèche en bas à gauche, Nat, t'as bien raison, c'est le vent, mais c'est le vent par rapport à la map, pas par rapport à toi dans le jeu. Oui, bah oui. Ouais, je pensais que c'était genre par rapport où tu regardais, mais pas du tout, c'est par rapport... Bah non, c'est par rapport à la map, quoi. Attends, en vrai, on aurait dû laisser l'ancienne cahute. C'est toi qui as voulu la raser. Bah ouais, mais je me rends compte de mon erreur. Là, en vrai, je commence à être dans la sauce, mon arc est bien un peu top pété, faut que je me refasse des flèches, j'ai besoin d'un établi. Mais je sais ce que j'allais faire. Faut par que contre, tu poses quelques murs. T'es parti faire du bois, là, c'est ça? Ouais. Je refais un établi vite fait. Comment ça, placement invalide? Il me casse pas le cul. Voilà. Je suis presque full en poids, j'ai plein de cailloux. Je vais en avoir une trentaine à peu près. Et pas mal de peau et tout. Ah, moi voilà, mon marteau est cassé. Pose les blocs restants pour faire un toit. Ah, bah moi j'ai plus de bois. Bah attends, mais j'ai tué le poids. Il y a quand même... Vous avez bouffé tout le bois qu'il y avait dans les coffres? Non, mais moi mon marteau est cassé.
Mais moi j'ai plus de bois. Bah elle est là, moi je t'ai envoyé du bois là. Ah pardon, j'ai pas vu. Là c'est la maxi tempête hein. Non mais j'avais posé les bases d'un toit. Oh pardon, j'avais pas vu. Autant pour moi. Gaspille les ressources. Mais non, c'est pas gaspille, ça nous les rend. Ah ça rend. En vrai, t'aurais pu laisser l'établi en vrai en un sens. Bon bah je le refais. Non mais non mais c'est bon, on va pas perdre plus de temps que ça, mais t'aurais pu le laisser ici pour la porter. Voilà. T'aurais pu le laisser pour la porter à la limite, mais voilà quoi. Faut faire quoi? Je vais revenir. Là normalement on pose un toit, un truc, un plancher à la limite, sur les deux cases au-dessus de l'établi. Normalement ça fait un toit. Un plancher, non. Un plancher ou autre chose. C'est bon. Ah non, attends. Non, attends. Utilise encore deux cases, il est entièrement sous le toit. Il est encore un peu chaud à côté. Parce que là, franchement, si c'était ça, c'était honteux. En plus, c'est... Oh, regarde, les murs, ils sont pas pareils. Enfin, ils sont pas dans le même sens. C'est du design. Est-ce qu'on peut tricher comme ça? Non. Ah, je suis encombré. Allonge le toit d'une case vers nous. Vire ça. Olive. Ok, je suis à un poids près. Hein. Non, toujours pas. À la limite du cul. Après, je pense peut-être si je l'entoure. Je peux même pas tuer les sangliers et récupérer leur peau. J'ai plus de place. Mon marteau aussi, il est pas loin de casser. Hein. Mais tu peux tout réparer, blablabla. Bla, bla, bla. Oui, mais non, pas dans notre inventaire. Il marche toujours pas. Ah, je croyais qu'il marchait. Ça marche toujours pas. J'arrive en tout cas les copains. Putain mais faire une maison dans une maison quoi. J'ai un marteau si tu veux. Deux trucs à placer. Si tu veux je te passe le mien quand j'arrive. Mais en fait on a besoin de toi maintenant en fait. Non mais j'arrive, je suis au niveau du spawn de base quasi. T'as l'établi requis un toit Non attends, est-ce que tu penses que quand ils disent toi, c'est vraiment le bloc toit? Bah, et pas deux pauvres planches? Ah, putain peut-être. Non mais attends, mais si c'est le cas ça dégoûte. En plus j'ai ma houe qui est cassée, je peux pas continuer d'aplanir là. Reposez-vous, faites cuire de la viande, je sais pas, j'arrive. Oh attends, je crois qu'on peut courir sur les murs. Alors attends, je récupère mon endurance. Naruto Run. Attends, je retrouve mon endurance, mais regarde-moi toi dans Yoyo, si je réussis à le faire. Autant viens moi. Ah non mais regarde, t'as une petite butée là. Petite butée. Ouais mais non, attends genre, attends. Ça va être un manoir en fait. Non, pas ça. Non! Je vois pas ce que tu brandes. Pendant quelques secondes sur le live pourra le dire, j'ai accouru sur les murs. Ah oui. Attends, essaye sur la cahute. Tu peux faire des double jumps sur les murs. Ah oui! On peut faire des sauts verticaux. C'est compliqué, mais on peut le faire. C'est ouf. Je suis bientôt là. En fait, je me demande si on se prend pas en fait juste dans le mur. Dans la tranchette du mur, c'est gourceau. Bah attends, là, regarde, à l'extérieur, ça va être plus facile. Ouais, c'est ça, c'est plus facile, là où il y a les planches. Là où il y a les planches qui sortent. Tirer de Google qui saute. Normalement, vous me voyez au bout de votre minimap. On s'en rend, viens, bouge ton cul. Attends, j'ai le cuir sur le feu. J'ai le cuir sur le feu. Ah non, le feu est éteint. Oui, il y a de la flotte. Bon, j'ai plus d'endu. Ça, c'est la flotte. J'ai bien exploré à l'ouest hein, pour le coup. On a besoin de toi, on s'en fout. Viens. J'arrive. J'adore faire mon connard. Vous voyez du feu au loin? On s'en fout. Non. Il faut juste que je droppe mon marteau en plus, je sers qu'à ça. Oui. Bah viens chercher le marteau. Oui. Merci Chagas. Ah, un peu de toit. De toit en bois, c'est ça, non? Ouais, normalement, c'est en tôle. Hein? Le truc en tôle, 5. Attends. Ah non, j'ai plus le reparto, mais normalement, c'est en home ou en tôle. Chaume, c'est ça? Voilà, c'est ça, en chaume. Ouais, mais attends, faut que je monte. Putain, si c'est ça, ça dégoûte. Putain,
putain, mais je suis vraiment un abruti. Bah va à l'intérieur sinon. Comment ça va à l'intérieur? Bah détruis l'intérieur, plutôt que l'extérieur. Hop, 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 hop. Ah, je suis tout de suite plus léger. Vous voulez que j'aille rechercher du bois ou y a pas besoin? Bah non, j'ai besoin d'un établi pour aller chercher du bois. Putain, il est chiant de requérir un toit celui-là. Allez là, la porte. Ça fout la haine la bouse là, non? Bah attends, j'étais en train d'y remédier avant de que ma houppe pète. J'allais dire, c'est le genre de truc, ça trigger un max. Oui! Putain, c'était ça, il fallait de vrais toits. Bravo! Je te rends ton marteau, Justin. Ok. Où est-il? Ah, je suis exprès, pareil. Où est-il? Je te récupère? Non. Tu l'as mis. Dans quoi? J'ai récupéré du stuff? Il est là. Attends, j'ai aidé un coffre ou comment ça se passe? Je l'ai. Bon, je suis retourné à Planir. Est-ce que je vais chercher du bois? Il y a besoin de bois? Oui, toujours. Je vais péter du bois. Non, non, chaîne, c'est trop dur, c'est être. Ah. En fait, je pense qu'on peut juste pas en fait qu'on a. À propos. Vous voulez faire quoi? Genre en fait, je pense qu'on a atteint l'aplanissement au minimum. C'est pas plutôt par endroit vis-à-vis de la colline? Bah en fait, j'ai l'impression parce que viens voir. Viens voir où je suis. Là, tu vois, t'as une couche de caillasse. Ça, je peux l'enlever. Mais la couche de terre, je crois que je peux pas l'enlever. Ça, si c'est le cas, ça dégoûte en vrai. Donc ça veut dire que tu relèves le tout. Ouais, ouais, mais attends, mais du coup, ça de... tu peux monter de combien déjà? Avant que tu commences à planir. Et en fait... Bah, mais non, mais ça, c'est le truc de base. Je sais pas, tu peux augmenter... Je pense que tu peux augmenter d'autant que tu veux, mais le problème, c'est que de augmenter, ça demande 4 de pierre à chaque truc. Ah! Bah, tu récupères la pierre ou pas quand tu aplanis? Et non, tu le récupères pas. Un. Donc c'est pour ça. Ouais, bah écoute, on peut sur le plancher, j'imagine. Oui, au pire on laisse la bouse, hein. Ça fera rustique, quoi. Très rustique pour le coup. On détruit le plancher et on le remet pas. Pour l'instant, notre maison elle a zéro gueule, ça me dit. Ouais. Ouais, mais quand elle sera finie, on sera très content. Donc on enlève tout le plancher. Ok. Ah, il pleut plus déjà. Ça fait plaisir. Ouah. Ouah quoi? Putain, de péter les trucs, ça consomme de l'endurance. Ah ouais. Bon, mais ça y est, on a tout pété. Oh, j'ai tout cassé. Et oui, tout est cassé. Bon, du coup. Un arbre peut. Enfin, un tronc d'arbre qui tombe peut en péter d'autres. Hein. J'ai des troncs d'arbres partout.
fait un numéro d'équilibriste là. Mais je suis à déjà plus de 50 de bois. Mais vous brûlez, monsieur. Oui, tu veux de la lumière. C'est une torche. Ouais, je suis une torche humaine. Attends, je vais t'éclairer. Tu te fais du mal. Mais non. Arrête. Vous souffrez, monsieur. Ça se sait. Je suis concentré pour faire des murs. Tellement de concentration parce que je suis en train de faire. Et est-ce que c'est comme dans Minecraft où genre t'as une maison et tu peux faire tout le reste, ou c'est conseillé d'avoir vraiment plusieurs maisons? Normalement tu peux tout faire. Je pense que c'est plus conseillé d'en avoir plusieurs. Après ça dépend des priorités de chacun, genre si ça se trouve t'as un bâtiment qui n'aime pas être à côté d'un autre item que qui est nécessaire pour un autre truc. What? Quoi? Alors là, dommage que j'ai pas enregistré parce que franchement un grayling là qui a fait il a explosé un tronc d'arbre et s'est déplacé à la vitesse de la lumière. C'est pas moi. J'arrive pas à l'avoir. Tellement concentré pour poser juste des murs. Tu peux placer des escaliers quelque part, non? Ok. Des escaliers. Des escaliers comme ça ou une échelle plus raide? Ah. Attends, je vois là, rien. C'est... Ah, tu vois on pas ça jour... On est arrivé au jour 5. Alors, j'ai... soit il y a des escaliers comme ça, soit il y a une échelle plus raide. Moi j'aime bien ça, je trouve ça une bonne gueule. Soit il y a ça. Ouais, non, je peux faire le premier que t'as fait. Ouais, l'escalier. Attends, je vais récupérer les trucs qui cuisent avant. L'autre, ça fait un peu escabeau. Quoi. J'ai mon casque qui a du mal, il arrête pas de se décoreco là. C'est casse les couilles, comme on dit. Ok, j'ai plus de 100 de bois si vous avez besoin. Eh ben. J'avoue que c'est un peu quand même. There is no place in the coffre of bois. There is trop beaucoup de caillasses. Ah, il y a un gobelin. Il y a l'attaque des gobelins. Bah tiens, occupe-toi des gobelins. Occupe-toi des gobelins, j'ai besoin de flèches moi. D'ailleurs, pour type pour les escaliers, il faut commencer par en haut de préférence. Comme ça sera mieux aligné avec en bas. Hop. Est-ce qu'il y a encore besoin de bois? Toujours. Parce que, non, mais il n'y a plus de place dans les coffres. Bah, tu crées des coffres. Oh putain. Ah, moi, je crée pas les coffres. Moi, je vais chercher le bois. Bah, moi, du coup, j'ai créé du charbon. Je l'ai pas mal mis, là, ce bout de bois, là. Nat, regarde. Est-ce que je l'ai pas mal mis si. Le bout de bois là? Si, il est pas aligné à la porte, je pense. Ah si, quoique non, il est. Non, attends, je sais pas. J'arrive pas à bien voir. Je crois qu'il est juste. C'est il est que lui qui est mal aligné. Ouais, je crois qu'il est mal aligné. Là c'est mieux, non? Ah oui, c'est mieux, oui, il y avait une case qui manquait, oui. Oui non, c'est carrément mieux. Mais il y a un autre gobelin. Ouais, faut vraiment qu'on se décide à faire des murs. Un petit trou au-dessus de la porte. Oui, bah oui, je crois qu'on peut pas passer. Sinon, on peut pas passer. Voilà, sinon on peut pas passer. Genre, attends, regarde. C'est ce que j'avais fait au tout début. Ah, quoique. Attends. Remets le bloc. Peut-être que c'est... peut-être que juste j'avais choisi mauvais modèle de porte. Vas-y. Non, je peux passer là, maintenant. Mais je trouve que ça fait vraiment genre parpaing. Ouais. Je vais mettre le demi. Ça y est, je suis jambon beurre passion BTP. J'ai toujours su. Après la cuisine. Ah non, il manque du bois. Bah va dans le coffre. Comme je t'ai dit, voilà, j'ai fait de nouveaux coffres.
Je récupère les bonnes viandes. Va y avoir un coffre pile à bois, hein, je pense. Non, non, tu veux pas me donner du bois, Nat? Si, ah, attends. Ouais, pas envie. J'ai pas envie de me faire chier à remonter, en fait. Ah, de là bah attends, je vais poser les blocs, restant. Attends, il y a l'escalier même, tu peux descendre. Ah mais oui, c'est vrai, maintenant il y a l'escalier, on s'en fout. Ah, une sale bête! Tac, merci mon bro. Ah non, plus de rendu. Je pense que deux pour un étage, c'est bien, non? Ouais, je pense aussi. Par contre, j'ai l'impression que le bois plus vieillit plus ou moins vite. Genre là, regarde bien l'extérieur. Genre là, tu regardes, t'as l'étape, t'as le bois mâle. Là, t'as encore du bois, là, oxy. Regarde à gauche. Là, tu vois clairement les autres. Ça, je pense que c'est parce qu'il a plu tout à l'heure. Ouais, genre les maisons, elles vieillissent avec le temps, c'est bien ça. Ah, ou sinon, ça veut peut-être dire l'état du bois. Est-ce que tu penses que le bois peut péter? Peut moisir. Les réparer, hein. On peut les réparer, ceux-là? Je crois tout. Bien. Ouais, si t'as le marteau vide, t'as juste le marteau en main et tu peux réparer. Là. Ah oui, effectivement, c'est parce qu'ils sont midlife. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'en fait, ils sont abîmés. Les... Comment ils peuvent être abîmés? La pluie. Ouais, mais la pluie, genre, une fois, quoi, ça va être relou. Ça consomme pas de bois? Non. Non, non, ça consomme rien. Ok, j'allais dire, faut farmer du bois comme jamais, sinon. Vous avez un petit creux, oui. J'y travaille. Mais j'ai surtout une sale bête. Putain, mais y en a. Bientôt pété. Hein. Il y en a des sales bêtes autour de la maison, la vache. Ouais. Je pense qu'il y en a de plus en plus. C'est pour ça que dans le trailer, genre, ils ont des... Je me demande si le 7ème jour, on n'a pas une nuit complicado. C'est pas Seven Days to Die. Ouais, mais c'est pas le jeu là. Oui, non, mais c'est pas le jeu là, mais... Ça serait pas impossible, hein. Je pense que ça serait marqué quelque part. Il y a une nuit, on s'est fait attaquer, là. Quand on arrive, attaquer, c'est un grand mot. Les ennemis se calment ou les bêtes se calment, je sais plus. C'est un grand mot, ça. Bah non, mais 7ème jour, ce serait pas impossible non plus. Putain, mais je suis con, je suis avec le marteau, c'est pour ça que je peux pas la copier. Mais je suis full, déjà. Oh là là, je farme trop bien le bois, les ennemis. Tu vas voir, j'ai besoin de ton bois. Ah... pour le plancher du deuxième étage. Je le laisse là ou je le mets plus haut? Non, là, c'est bien. Attends, moi, déjà, il y a... C'est pas que l'escalier, ça me gêne, mais... Ouais, genre, il est pas aligné correctement, quoi. Non, c'est pas ça. Un sanglier! Ouais, c'était ça. Il était pas aligné correctement avec les planches. Non, c'est que j'aime pas. Je me dis. Enfin, j'arrive pas à me dire que l'escalier, quand t'arrives en haut de l'escalier, t'es dans le mur. Mon cerveau, il fait non, c'est pas possible. C'est pas comme ça, monsieur, ça se passe. Pas comme ça, Zeneden. Mais du coup, est-ce que je le mets plus bas le plancher? Ou pas du tout? Non. Okay. Bien ça. D'ailleurs, la mouette, elle donne de la viande ou quelque chose de clair? Non, juste des plumes. D'accord. Pour le moment, les plumes, ça sert qu'à faire des flèches enflammées. Butez-moi ces grenouilles. Je bute les arbres, bute les grenouilles si tu veux. Je peux dire que je te dépeuple cette forêt. Tiens, les radeaux, c'est avec le marteau qu'on le craft? Oui, je crois. Oui. Ouais, c'est ça. Oh! Oh!
Attends, je vais voir pour le crafter. Tiens. On a les outils, trucs qu'il faut. Ah, mais il faut la table de fabrication. Enfin, une table de craft. Merde, t'es con. Allô? Oui. Je dois avoir des gros problèmes de co, j'arrive pas à ramasser un silex. Bah non, mais je peux couper du bois, mais ramasser le silex, ça, mon dieu, non. Si, il m'aime ici. Je frappais mon arbre paisiblement. Putain, mais t'es vraiment. Chaque fois que je te vois à côté du feu, tu brûles. T'as vu? Je sais pas comment il fait. Hein. Petite tendance de pyromane celui-ci. Ah, même pyromane. Pas, pour sauter le feu à lui-même. Il aime bien s'auto-immoler et s'auto-immole. Il a raison, mais pas très conseillé quoi. Ah oui, alors pour le batal. Ça part si vite. Mais j'ai fait un coffre de bois. Hein. Ah non, mais le mieux. Mais non, mais je suis con, on est con. Il faut le mieux, c'est pas de faire des coffres de bois, mais de faire des piles de bois, des tas de bois. Ah bah, tu te débrouilles, je mets tout le bois dans le coffre. Ah oui, il y en a un peu quoi. Et encore, je crois que j'ai pas rangé, hein, j'ai juste mis ce que j'avais sur l'inventaire sur le coup. Okay. Mais vous en consommez tellement aussi. Vous êtes des petits gourmands, hein. Tu veux une maison? Bah, c'est mieux, ouais. Bah voilà, donc un taille. Super. La punchline. J'ai mon rondin qui. Oh, il y a le corbac. Il y a le corbac. Est-ce que t'as fait une pile? Bah, je suis déjà bientôt full. Je reviens ramener une centaine de boyonnes. J'arrive. De toute façon, j'allais pas avoir le choix. J'ai plus de quoi casser le bois. Ah d'accord, X c'est pour le repos. X, ça nous repose. Ah oui, je vais devoir casser le toit en fait. Vous avez déjà vidé le coffre à bois ou pas? J'ai tout pris sur moi. Ok, bah je mets mon bois là-dedans. Ah, je peux faire une planche de 1-1. Il a amené, j'ai baisé toutes mes ressources parce que c'est juste des trucs décoratifs. Hop. J'espère pas, hein. Moi non plus. Tu peux interagir avec ou pas? Non. Nat. Non, quand tu retires, c'est que par tout le bois. Ok. Tu m'as fait peur. Faut juste le faire avec le marteau. Mm-hmm. Je vais continuer à péter du bois. Hein. C'est mon travail. La tenue concure n'a toujours pas été réparée. Spam. Clic, 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 clic. Ouais, mais elle veut pas être réparée. Je sais pas. Moi, ça se répare. Ah. Ça en est où la maison d'ailleurs, mon Yoyen? Oula, ça monte. Là, on fait des étages. Et au lieu de faire la pile de bois, t'aurais peut-être dû laisser. En tas, Nat, parce que là, va falloir se faire chier à péter le bois. Bah, ça va en vrai. Ah bah oui, meuf. Moi, en vrai, cette bouse, ça me dérange. Ah ouais. Après, le rez-de-chaussée, ça peut être un autre truc, genre, je sais pas, on peut élever du bétail, vous pensez, ou pas? Bah, on peut domestiquer les sangliers, donc ouais. Bah, ça peut être ça, la porcherie. Mmh. Premier étage. Ou alors, je sais pas s'il y a, mais peut-être on peut, au lieu de mettre un. Ah, mais je sais pas ça. Ah, il faut que la table de craft soit niveau 2 pour qu'on puisse faire les trucs en cuir. Donc, et donc les réparer. Ah, mais oui, elle était niveau 2 l'autre, parce que j'avais fait une amélioration, mon arc. Mais il faut juste craft un bio, attendez, je vais vous le craft. Voilà, c'est bon, il est là. Tu peux améliorer. Ok.
En plus, ça nous dégage une petite partie là. Ça va être pas mal. Ça fait un gros mur de blocs là. De l'extérieur. C'est vrai que ça fait un gros truc. Paf quoi. Après je suis pas architecte. C'est le gars qui s'est proclamé architecte du chantier. Oh là là, les landus. Ah mais encore une sale bête. Toujours ces sales bêtes hein. Non, reviens là. Miam miam le bois. Boum, j'ai posé un radeau. Putain, j'ai vu un truc apparaître dans l'eau. Je me suis dit, c'est que cette merde. T'as posé un radeau? Oui, pour voir ce que ça fait. Est-ce que ce serait pas le radeau de la méduse? J'espère surtout que c'est pas un gâchis de ressources inutiles. Alors attends. Non, non, ça c'est pas utile forcément. Oh là, là non. Comment on fait pour contrôler le radeau? C'est pas W. Aide le tas de bois. Alors. La base d'un radeau, c'est que ça se contrôle pas. Ça se rame à la limite, mais ça, tu peux pas le contrôler si t'as rien. Là. Bah, je sais pas. Tellement des rames, je sais pas, peut-être un gouvernail même. Il y a des voiles déjà. Et il est à moitié sur la terre ton radeau. Hein. Je sais pas si tu te rends compte du truc. Ouais, mais il y a des voiles, mais je sais pas comment on fait pour aller ici. Le corbac, tu veux pas venir me parler? Si tu pouvais le laisser. Parce que là, il part à la dérive tout seul. T'es en train de partir, mon pote. Hein. Ouais, je sais. Salut, mon pote. Ah, mais attends, il y a ça. Utilise le gouvernail. Ah, faut peut-être être plusieurs pour être pour piloter le machin. Est-ce que là, attends. Ah oui, tu te mets. Bah oui. Débile, tu te mets au niveau du mât, mais le mât, il fait rien. Ouais, je cherchais justement comment fonctionner déjà. Déjà, le gouvernail. Le mât, il fait juste ça. Mais les voiles. Faut peut-être être plusieurs. Hein. Bah non, ce serait bête en vrai. Ouais, mais non, en vrai, les voiles, tu dois pouvoir faire quelque chose avec. Putain, je frappe pas encore le truc, quoi. Mais ouais, non, je vois pas les voiles, comment tu fais pour les hisser. Après, c'est pas la priorité pour le moment, quoi. On en a un, c'est pas mal. Bah, j'ai un arbre qui est resté couché sur un autre arbre, super. Je peux le repousser vers la berge comme ça. Ah, je me suis pris deux troncs d'arbre dans la gueule. Ah par contre, ah oui d'accord, tu peux pas remonter si tu es sur le à la mer quoi. Ah merde, c'est con. Ah si, il y a une échelle derrière, donc on peut pouvoir remonter mais uniquement derrière quoi. J'arrive hein, parce que je suis full. Voilà, bon bah le bâtard est bien calé maintenant. Au loin, et ça sent bon. Peut-être qu'on va dormir au chaud cette nuit. Ce serait qualitatif de dormir au chaud. Oula, mais il y a beaucoup de cerfs là, il y a beaucoup de faune de côté, de ton côté. Ouais, défonce la faune, Nat, à l'aide. Je peux plus courir. Au secours! Non, j'ai fermé la porte, je suis pas dedans. Putain, mais ils ont fui ces lâches. Chaque fois que je reviens, mon coffre à bois il est complètement vide.
fait plaisir. T'as encore besoin de bois, mon bézo, ou... Ah, oui. Oh, putain. En vrai, ça ne m'étonnerait même pas qu'on passe que la journée à installer bien la maison. Dire que j'en coupe du bois. Alors, toi... Voilà. Je vois des sangloches. J'en ai eu un, Nat, je te laisse le loot. Pas de place pour ces conneries. Ah, j'ai un petit creux. On va se bouffer une petite viande en plus. C'est déjà la nuit, putain. Attends, j'ai chier là. Oui, j'ai totalement chié ici. Qu'est-ce que j'ai... What are you en ligne? Qu'est-ce que what is the fuck? Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a un gobelin sauvage qui apparaît nulle part. Je suis en train de péter des arbres, ils sont à moitié dans l'eau. Chiant. Est-ce que je suis en train de me chier le cul, c'est bon? Voilà, là normalement, c'est moins dégueulasse. Ah, ce rondin est parti trop dans l'eau. Hop. Il reste quasiment que du boulot par ici. Bah au boulot. Ah, 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 ah. Ah. Il fait froid. La musique, elle est pas... C'est moi le sol, il tremble. C'est toi. Quoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il... Je sais pas, c'est les ténèbres, quoi. Non, ça va. Ah, je crois que je suis pas fou, il y a le sol qui tremble. Serre. Je te dis, Nat, moi j'ai une musique qui est pas ouf rassurante, quoi. Je vois pas de quoi tu parles. Putain, je me suis pris un tronc d'arbre dans la gueule, ça fait très très mal. Oui. Et il me refait mal, ce chien. Force de péter du bois, j'ai plus d'endu. Ouais. Du coup, ça tremble toujours le sol? Bah non, mais c'est peut-être, je sais pas. J'en sais rien. J'ai failli mourir à cause d'un tronc d'arbre. Ah non, ça tremble. Ah non, ça tremblait parce que j'étais entre deux trucs. Ah oui, des fois il y a des petits bugs de collision. Hein. Ouais, non, c'est pour ça que ça tremble quand je fais un bug. T'as bien glissé. Ouais.
mais attends. Je crois qu'il va falloir qu'on foute des poutres. Pourquoi ? Il y a des poutres ? Ouais. Je me demandais ça servait à quoi, mais je crois que ça y est, j'ai compris. C'est pour ça que ça tremble ? C'est trop massif ? C'est regarde la couleur du sol, là. Ah, il subit trop de contraintes. T'as des endroits en rouge, t'as des endroits en orange, t'as des endroits en jaune. En gros, je pense que c'est vu qu'on marche dessus et qu'il n'y a pas de support, et ben ça travaille. Ah. Du coup, je pense qu'on va mettre des poutres. Je pense que c'est ça. Il y a encore plus de bois. Ah, cette fois, mon coffre à bois n'a pas été vidé comme des sagouins. Je suis fier de vous. Est-ce que quelqu'un a fait des lits ? Non. Super. Travail échappé. Maintenant, oui. Ah. Si on peut essayer de pioncer, ça serait pas mal. Ah bah, il n'y a que deux lits et il y a le corbac qui dort sur l'un d'eux. Comment ça, il n'y a que deux lits ? J'ai pas assez de bois. Point de réparation créé. Oh, ok, on voit quel lit est acquis. Est-ce que le feu se propage au bois ? Parce qu'il faudrait peut-être un petit feu quelque part. Je crois pas. Ah, il y a un petit feu là. Parfait. Pourquoi tu mets des patates à ça, toi ? Je vais le casser. Le lit est trop exposé. Ah d'accord, si le lit est trop exposé au bois, au ciel, tu peux pas dormir dedans. Tu peux pas le réclamer. Ah, j'ai déjà réclamé mon lit. Attends, là on n'est pas à l'abri. Ah, une belle poutre. Dis-moi que tu peux mettre l'autre. Oh oui, c'est une très belle poutre ça. Ça, je m'y connais en poutre. En fait, j'aimerais bien savoir ça supporte. Oui, ça sert. Ça sert. Mais s'il faut en mettre tous les 2 mètres, faut le dire quoi. Ah, il y aura un grenier aussi. Je sais pas. Là, j'avoue que je préfère m'occuper du plancher là pour l'instant. Bon, ça c'est pas mal, non? En écart. Putain, comment tu dégages ? Il y a quasiment plus rien là-bas. Est-ce que je retourne chercher du bois, sachant qu'on en a plus de presque 200 ? Bon, mais toujours trop pas assez. Ah, j'en ai marre de chercher du bois. Une heure que je pète du bois. Bah sinon, on peut chercher à comprendre comment on marche du bateau. Si tu veux. Et je trouve que c'est pas la priorité pour le moment. Bah écoute, Yoyo s'occupe de la maison, on a pas mal de bois, niveau nourriture on est bien. On a pas mal de bois, mais le Yon il en consomme. Pourquoi j'entends des salutations guerriers ? Enfin, j'ai... Le corbac. Ah. Le Psyaf. Sur le lit. On a plus de 200 de bois. Ah mais je suis pas remonté en haut. Je vais pas monter en bas quand même. Ah je burne. Ah, je burne fort. Du coup, tu viens ? En fait, ça me fait chier de... Ah, attends, 2 secondes. Je pique du bois que j'ai récolté, il me faut des flèches. J'apporte les nouvelles, mais... Tu es où, le corbeau ? Là. Sur les lits, non ? Qu'est-ce que tu me chies, le corbeau ? T'es occupé. Oui, ta gueule. Je me croque des flèches. Comment je vois les couilles de lui ? Tu peux le caillasser sa gueule. Oui, du coup, je faisais quoi avant qu'il me fasse chier quand même ? Ah oui. Voilà. Faut que je dépose mes ressources. Ah, je suis. Regardez-moi, Justin. Mais qu'est-ce que tu fais ? Là, je suis bien, là. Mais il est complètement défoncé, cet homme. Abattez-le. Je meurs de fumée, mais je me régène plus vite que je prends des dégâts de fumée. Quelque chose. Putain, mais j'ai déjà plus de bois, Zubi. J'ai de la peau. Ah, je me sens reposé comme ça. Attends, il y a un autre coffre où il y avait du bois.
Bah c'est celui-là, mais le coffre, c'est lui là. C'est où qu'on met les pots dans ce monde? C'est là. Ah mais attends, il y a c'est un... Et du coup, silex, c'est une ressource ou c'est parce qu'il y en a dans deux coffres distincts. Du coup, j'en mets tout dans... Alors par contre, vraie question, il y a un truc, c'est des piastres, c'est juste dit précieux. Ça sert pour un craft ou ça c'est marchand contre... comme les émeraudes un peu? Je pense que c'est comme les émeraudes. Alors vous permettez, mais j'ai envie d'essayer. Pour la fumée. Comment ça on te permet? C'est-à-dire que c'est notre maison. Si tu pètes la maison, je te jure, je J'espère que ça... Ouais, j'espère pour toi que ça fout pas le feu. Bah on le saura assez vite. Non, bah alors là, t'es bon pour refaire et aller chercher le bois. Hein. Tu fais tout de A à Z. Moi là, c'est bon, le bois, j'en ai ma claque. Hein. Est-ce que c'est du bois claqué? Oh là là. C'est drôle ça. Parce que c'est le... Ah, il y a quand même une belle physique de fumée. Hein. Genre 8. Ah ouais? Mais tu vas nous gazer. Et surtout, c'est pratique pour voir la poutre de l'autre côté avec la fumée. Il va nous gazer. Vous pouvez détruire si vous voulez, hein, mais moi je laisse ça ici pour voir jusqu'à où ça pourrait aller. Mais il n'y a pas de toit de toute façon, donc ça va aller pas très loin. Mais alors, par contre, je comprends pas. Déjà, je peux pas fermer la porte. Ah, c'est... Mais dans les maisons qu'on voit, les portes. Elles sont fermées jusqu'en haut et elles le vivent très bien. Oui, mais non, là on peut le fermer jusqu'en haut, mais c'est juste que lui, qu'il a pas lui, enfin Yo-Yo, il a pas voulu le fermer en entier quoi. Parce que j'avais essayé de la fermer jusqu'en haut la première fois que j'avais fait la maison et ça marchait pas, enfin on passait pas. Peut-être à cause du sol. Peut-être que parce que le sol était pas plat, ça marchait pas. Il est en train de nous intoxiquer, lui, là. Moi, je suis sorti. Ça marche bien. Je vais mourir. Il est intoxiqué. Il est mort de feu. Il est brûlé vif. Je suis dans le feu et je suis mort. C'est trop con comme mort, en vrai. C'est minable. C'est le terme. Et tu veux pas enlever le feu parce que juste ça casse les couilles en fait. Ouais, t'es capté. Tu fais. Par contre, la fumée elle part pas instant. Pas logique. Sale bête. Ah, on fuit hein. C'est marrant, du coup, on voit la fumée qui sort de la maison. C'est marrant, il a tué notre copain, mais... Ouais. Ça valait le coup. Ça se voit pas, mais je l'ai écrit. Mais comment tu vas dans le chat? Ah non, mais je parle au-dessus de la maison, j'ai mis une pancarte. Putain, mais effectivement, mais y a rien marqué dans la pancarte. Non, mais en fait, faut que tu mettes ton curseur dessus pour que ça te dise ce qui est écrit. Je crois que c'est pas affiché in-game. Ah, c'est pour ça, les jambons. C'est pour ça, parce que j'aurais essayé de regarder s'il y avait des marqués dessus, mais non, je voyais rien. Alors, attends, je vais regarder les boutons, Yon. Chat, 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 chat. Parce que j'ai eu au tout début et j'ai jamais revu. Deux. Le chat. Y'a pas de chat? J'ai pas l'impression. Bah, si, bon, la fumée est partie. Activer cette marche, course automatique. Pouvoir du déchu F. On a ça, ça va être des pouvoirs qu'on va débloquer. Ouais, ce que j'allais dire, F ça marche pas beaucoup. Mais dites, messire, c'est une belle cahute que vous nous proposez. C'est de la merde, qu'est-ce que j'ai branlé? Si
tout de même une belle cahute. Ouh, 1% en longueur que j'ai fait là. Là, tu fais du tricks. Vous voulez pas mes deux au lieu de rien foutre? Ah ouais, mais on fait quoi? Bois, moi. Ah, mais y'a un trou! Où que ça? Voilà! Ah, dans le sol, oui, c'est normal. Y'a des trous partout? Ah, mais oui. Qu'est-ce que vous avez placé le sol au début? Merde! Qu'est-ce que t'as fait? Y'a des trucs, mauvais trucs. Absolument. Ah, je croyais que c'était toi, Nat, et je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Bah, j'ai ramassé du bois, je te le donne. C'est tout mouillé, Jean Bombeur. J'ai cassé la gueule. Je vais voir si je peux pas craft des trucs intéressants dans l'établi plutôt. Est-ce que vous avez des fragments d'os? Non. On a vu qu'un squelette de mort quoi. Tu peux craft. T'as du silex? Attends. Ouais, il y en a. Parce qu'il faut faire le dans le marteau là. Attends, j'arrive tout de suite. Je vais améliorer ma hache en silex. Niveau 2. Mais non, mais améliore pas ta hache, on en a besoin du silex. Non, mais ça coûte genre 2 de silex et j'en ai récupéré plein. T'en fais pas. Ah. Il y en a plus de 30 dans. Merde. Non, mais non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, en tout, il y en a 32. Non, j'en ai récolté des masses aussi, ne vous en faites pas. J'ai fait ça à pleine conscience de nos ressources. Tout comme ça, ça me permet de couper du bois encore plus vite. Ça, par contre, ça me fait chier, ça prend de la place, c'est de la merde. Hop. Je vais garder quand même ça, on sait jamais. J'ai de la résine, pourquoi j'ai de la résine? Hop. Est-ce que ça va rester le truc du milieu là ou ça va partir? Ça va partir. Ok. Hey, il commence à prendre forme ce toit. Ouais. Tu t'es pas chié là? Normalement non. Normalement. Je maintiens. Non, je me suis pas chié. T'es sûr? Oui. Prouvez-le. Bah regarde. Bah ça fait moche dans le coin quand même. Y a un truc en trop, tu peux pas me dire que tu t'es pas chié. Là je me suis chié. Ah mais là aussi. Non, c'est pas en trop. Comment ça, c'est pas en trop? L'autre coin là-bas, il a pas le même truc. Hein. Oui, non, ça c'est en trop. Voilà, c'est ce que je me disais. Je suis pas fou. Je suis. Ah, je crois que ça fait mal. Caillou invoque, ouais. Nat, est-ce que tu veux qu'on aille voir ton radeau? Parce que je suis un peu. Ouais, vas-y. Je suis un peu dépité là, j'ai rien à faire. Je prends une petite framboise hein, avant. Voilà. Très important de voir des petites framboises. Faut aussi qu'on trouve des crapauds. Crapauds, j'en ai vu pas mal. Bah, j'ai suivi le long de la côte en fait, à gauche là. Je l'ai suivi pendant un petit moment. J'en ai vu pas mal, mais j'en ai pas tué beaucoup. Donc là, il y a le gouvernail. Attends. Pour orienter la direction. Ah non, d'accord, c'est avec le gouvernail que tu contrôles la voile. Bah oui. Attends. Mais comment... Pff, j'ai mis une giga patate. Attends, avec S, je fais tourner le gouvernail comme ça. W, ça ne oriente pas le gouvernail plus que ça. Attends, laisse-moi essayer. Pousse-toi. Pousse-toi.
T'as fait comment pour hisser la voile? Je sais pas. Attends-moi. Mais c'est Z pour la voile, pourquoi t'as pas réussi? J'avais appuyé sur Z pourtant. Est-ce qu'on peut monter sur la boîte ou? On a un problème de... On peut pas monter sur Battle? Comment on fait pour tourner la... On peut pas monter sur le Battle quand il est en mer. Donc tu tombes à la mer, t'es mort. Attends. Ouais. En plus, ce serait le moment d'explorer vers le nord parce que c'est le vent tourne et en notre faveur. Vas-y, attends, j'essaye de me caler à peu près bien. Ah, je peux stopper le bateau. Ok, alors pour ouvrir la voile, c'est Z. Ok. Mais comment on la tourne, la voile? C'est avec le gouvernail. Avec Z, ça fait tourner la voile vers la gauche. Z, ça dépend peut-être de la position du gouvernail. Mais le. Attends, j'ai cassé le. À cause d'un tronc d'arbre, quoi. Arrêtez tout! Faites pas le radeau! Ah! Le problème, c'est que là, on est à reculons. Ouais, mais attends-moi, tu pars en mer là. La mer te kidnappe pas un peu, Justine? Attends, je viens vers toi. Parce que je crois qu'on peut faire une marche arrière avec le... Mais je comprends pas comment la voile se place, en fait. Ça me trigger de fou. Ah, yes. Ok, il y a trois niveaux de voile. Il y a celui-là. Il y a là, niveau 1, en fait, on rame. Il y a niveau 2 et niveau 3. Ok. Mmh. Et c'est au-dessus du gouvernail, il y a une, deux ou trois flèches. Et quand il n'y en a pas, c'est que t'es niveau 0. Mmh. Oula. Là, je suis niveau 3, mais ça me met en rouge, donc il doit y avoir trop de vent pour... ça va péter le bateau, je pense. Je veux tourner la voile. Ton père le saucisson. Il y a une, tu sais qu'il y a une échelle à l'arrière de ton bâtal. Ouais, mais on peut grimper à l'arrière. Ou du moins, j'ai pas trop le bouton s'il y en a bien. X, non. Non, X, c'est pour s'asseoir. Attends. J'ai une idée. J'ai compris. Comment? Alors, j'ai pas compris comment on tourne la voile, mais j'ai compris. En gros, ça, c'est pas... là, tu vois, quand je suis en mode... là, je suis en mode rame. Ouais. C'est mieux pour les petites manœuvres. Mais la voile, en fait, on s'en fout. Ok. Alors, faut faire abstraction de l'orientation de la voile. On part en mer, Johan. Hein. Ouais. Putain, la mer est bien agitée là, t'es sûr? Ouais. Bah, c'est toi qui m'as dit on part en mer. On peut faire demi-tour si tu veux. Ouais, mais après c'est assez bien agité. Enfin, on peut toujours essayer quand même, on marque. Non, on va peut-être pas partir sans le Yoyan. Quand même, hisse la voile pour aller plus vite. Ouais, mais c'est pour les manœuvres, j'ai dit, faut. Faut pas. Là, on peut. Attends, d'où on prend des dégâts? Je sais pas, mais en tout cas, on n'avance pas. Je crois qu'au vu de la gueule du radeau, notre radeau se dégrade avec le temps. En tout cas, c'est imminent. Hein. Ouais. Et dans l'imminentation. Dans la giga sauce.
Parce que là, je peux te dire que, y a limite, moi, je pourrais m'en sortir, mais toi, à la nage, tu meurs. Non, regarde, il y a une petite presqu'île là juste à côté. Ouais, et encore. À la nage, tu vas te voir du mal. Ah, ok, attends, je crois savoir pourquoi on n'avance pas. Ok. Ouais, c'est pour ça en gros. En fait, ok, c'est très technique, hein. Donc, t'as les niveaux de voile, et à droite, là, sous la minimap, t'as. C'est. Je sais pas si tu l'as aussi. Non, tu l'as pas. En gros, t'as un bateau, enfin, t'as la tête de ton bateau, et devant le bateau, là, t'as une zone morte. En gros, c'est là où le vent ne peut rien faire pour toi. Et on était en plein dedans, c'est pour ça qu'on n'avançait pas. Là, on avance un peu. Là, je peux pas mettre niveau 3, sinon ça va péter le radeau. Et là, tu vois, je mets les rames. Et je vais contre le vent, mais vu qu'on a les rames, ça, normalement ça avance quand même un tout petit peu. Parce que là on est en plein dans la zone morte. Alors attends, je vais essayer de nous décaler en Attends, je dehors vais de voir là où. pour pousser le bateau. Hop, et là, voilà, il n'y a pas trop de vent. Attends, J'essaye je vais de voir grimper pour. dessus. Attends, mais je peux pas. Attends. Attends, je peux réduire la voilure. Ah si, il y a la ladder, faut la voir. Faire E pour utiliser la ladder. Il faut la voir. Oh, j'ai sous le bâtal. Je suis sous l'eau. Ah, tu casses le bâtard! Putain, vous avez fait peur avec votre bateau qui casse, j'ai entendu de la maison. On dirait une mère qui s'inquiète pour ses enfants qui font des conneries. Ouais, non, le bateau pourri plutôt, regarde. Ah, et le bois, il a pas l'air en forme. Ah, on est à contre. Bah, Par on contre, avance quand même. faut qu'on fasse un chantier naval, entre guillemets, pour le bateau, en fait. Sinon, on Je pourra sais jamais pas, le réparer. les manœuvres, ça prend du temps. Hein. Là, on avance un peu, je vais pas tarder à l'arrêter, on va le stopper là. Déjà, j'ai compris comment ça marchait. C'est compliqué, mais j'ai compris. Du coup, 5 et établi. On rentre à la maison, maman. Oh, c'est un beau toit que tu nous proposes. Il y a des trucs qui Radeau réparé. explosent. Non, c'est parce que j'ai réparé le radeau. Voilà. Il y a plein de bois en bas. Qu'est-ce que ça donne là-haut? Déjà, il y a plein de poutres. Mais c'est bien beau. Ah, là, tu te fais bien chier pour le haut, c'est ça? Je réfléchis. J'adore comment tu t'es fait ton étal. C'est trop marrant. Genre, c'est le perchoir. Ah oui, parce que. Oh, mais c'est stylé, c'est quoi ça? C'est les croix là, les X. En fait, je crois que ça va maintenir le toit. Ah, mais ça maintient le toit sous un comble, non? Parce que là, il faut un truc en dessous, sinon ça tient rien. Normalement, bah, je suis en tout cas en train. Tu sais que je découvre. Je suis en train Ah de. oui, non, mais je sais, mais. Non, mais c'est une question que je pose. Mais oui, je compte mettre un poteau au milieu là. Un potal! Je comprends que tu te poses des questions parce qu'en soi, en toi, il y a pas, il y a le fait de toi de chaume et il n'y a pas bien mieux. Oh, palissade. Ça, je suppose c'est pour un enclos. Clôture de bûche. Le problème, c'est que le toit, ça fait dégueulasse. Et tu veux pas mettre genre une planche et. Non, ça compte pas qu'on mette un toit. Non mais tu mets une planche et par-dessus tu mets le toit dégueulasse là. Comme ça il y aura vraiment pas d'eau qui rentre. Et bah de toute façon dans tous les cas tu pourras pas vraiment faire mieux quoi. Wow. Ah mais oui, fais chier. Parce qu'il y aura toujours un trou. Non Sinon. mais là le problème c'est que je peux pas poser le toit. Pourquoi? Ça c'est pas maintenu. Ça là en face? Ah merde, j'ai très la dalle. Hop. Réfléchis. Vas-y, vas-y. Je propose que je commence à installer un petit peu Bah, t'installes le des déco. poutres, t'installes une poutre au milieu, à 95, à 45 degrés. Attends. Il faut quoi pour faire un lit? Ok, je vais créer déjà le. Ah bah, il y a le dernier lit qui a été créé. On n'a pas grand-chose en meubles en vrai. Genre ça comme, j'ai créé une Mais nouvelle poutre comme ça. attends, Johan, te fais peut-être pas chier. Si on faisait une cheminée Ouais, pour avoir un feu à l'intérieur. non mais c'est bon, on a tout d'arriver.
T'avais qu'à poser une poutre comme ça, hein. C'était pas bien compliqué. En plus, ça se voit bien à l'extérieur. Déjà, je pense que toutes les croix elles vont têche. Enfin, moi, je pense que ça sert à rien. Tu veux que j'aille te chercher du bois ou t'en as assez? Ah, ça fait peur. Ça va me faire mal. Ah putain, mais mon marteau il vient encore. Putain, mon marteau, je l'ai réparé au moins 6 fois. Tu peux l'améliorer hein, si tu veux. Je l'ai déjà amélioré. Okay. Le mec il perd pas de temps. Sinon, pendant que lui il améliore le truc, on peut partir genre à la chasse au crapaud. Si tu veux. Attends, je regarde où j'ai été. Alors, où est-ce que tu veux aller, mon Nat? Dans les plaines à gauche, il y avait pas mal de bêtes. Mais surtout des cerfs. Est-ce que tu veux qu'on aille à gauche ou on explore à droite? Parce que j'ai pas trop. À droite, j'ai pas mal exploré de trucs. Il y avait pas mal de crapauds, il me semble, mais il y avait aussi une grande rivière. Ah ouais. Parce que faut. Très clairement, les crapauds, c'est au niveau de l'eau. Oui, il faut longer la rivière ou l'océan. Donc, va plutôt par à droite, je pense. À droite, tu veux? Ouais. Alors attends, parce que je me repère pas. Ok, c'est par là. Attends, tu veux courir, toi? Bah oui, ça fait pexer. Ok. Parce que si on se retrouve devant un ennemi, on est dans la sauce. Attends, déjà la mouette, j'en fais mon affaire. Il y a un crapaud là-bas à côté de la pierre. Impossible. Mais c'est mes flèches. J'ai besoin des flèches, salaud. Oui, il y a un crapaud. Le crapal. T'as volé mes flèches. Putain, mais j'ai oublié d'aller prendre le truc où j'avais besoin. Putain, je suis vraiment abruti. Attends, j'ai plus d'envie. Je suis à sec. Il y a un gobelin. Attends. Apparemment, c'est après moi qu'il en a. Hein. Ah non. Et il devient de plus en plus résistant, on dirait. D'ailleurs, tu peux dégommer les souches. Hein. Ah oui, non, les souches, je les ai toujours dégommées, t'inquiète pas. Non, pas celle-ci. Oui, bah, à un moment, quand je suis plein, et des fois, j'en oublie une. Oh là là. Fais des reproches, celui-là, je vais ramener plus de 400 de bois. Comment on va rire? Alors. Bah écoute, toi, chasse les crapauds, je vais chasser les bêtes, moi. Ton micro, il est dégueulasse, Justin. Ouais, pourquoi? D'un coup. Je sais pas, tout à l'heure, j'étais en train de me dire et... Oh, attendez. Où est les crapales? Attends, c'est bien le bon. Il est dégueulasse comment? Il grésille, il est quoi? En fait, il grésille et le son, il a moins saturé. Tordu, tu sais. Ouais, un peu saturé. Attendez. Bah écoute-toi sur live, sinon. Oui, bah, il vient de partir, donc il va pas t'entendre. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Est-ce que c'est mieux? Non. Non. Putain. Sinon, on va sur live pour t'écouter et voir le problème. Alors, attends. Je parle, mais c'est pas pour avoir une réponse, c'est pour m'entendre. Mmh. En fait, je vois pas de problème, mais le son du live est pas fou. Ah ouais? Bah, je sais pas, je m'entends pas fort en fait, donc je peux pas discerner le problème. On va voir sur l'ICU. Bon, en vrai, là ça va. Là ça va, tout à l'heure c'était pire. En fait. Par moment. Il m'a fait un truc bizarre déjà, mon catch tout à l'heure. Ça, là, c'est là ça. Ça resature de nouveau. C'est même pas que ça sature, c'est que le son il est bizarre, c'est juste ça. Ouais, mais là je sais pas d'où ça peut venir, les potes. Là j'ai pas vraiment de solution en fait. J'ai un crapaud là. Bute-le. Sanglier, ouais mais attends. Ah le salaud. J'ai besoin de tuer.
Et pourquoi tu veux tuer des crapauds, toi, en fait? Pour leur viande. C'est ce qu'on ça, ça s'ajoute à la viande de sanglier de base. Ah oui, mais ça fait dégueulasse dehors. Bah ouais. Mais mec, on a des milliers de viandes vu que j'ai chassé des Oui, mais bêtes. non, mais ça s'ajoute à la viande de sanglier. Alors, tu vas avoir la viande de sanglier plus la viande de crapaud. Faut avoir plus de PV. Vous êtes à nouveau sec. Ouais, mais c'est un peu chipoté là. Bah, c'est pas juste genre plus 10 PV, c'est quand même plus 30 ou un truc dans le genre, quoi. Non, mais je C'est pas veux dire, on n'est négligeable. pas encore au point où. Franchement, la viande pour le moment, ça me suffit grave. Putain, ça m'a volé, sale bête. Je rentre à la maison. Je vais quitter l'école et tout ce genre de choses. Ça appuie sur le clavier, hein. Oula! Calmez-vous, messire! Pète tout! Je suis coincé dans l'escalier. Mais du coup, t'as tout repété? Et parce que les poutres, tu les vois de dehors. Un lit doit être à proximité d'un feu? Mais quelle est cette bite pour avoir un lit là? Il faut 20 000 conditions. Tu pètes quoi? Je comprends. Ah, ces poutres là! Attends. Comment ça se voit de. De Il y a l'extérieur. plein de bois sur. Il y a plein de bois dehors, sur le toit. Faut pas perdre ce bois. Mais je peux le récupérer de l'intérieur. Bah, et pas tous. Saute au milieu là. Saute. Mais j'ai plus d'enduit. Attends. Je suis en train de réfléchir. J'arrive pas à récupérer le bois, moi, en tout cas. Ah, mais attends. Il y a plein de bois qu'on n'a pas récupéré. Ah, mais j'ai peut-être merde. Tu dézoomes à fond, tu le vois le bois. Et un gobelin de mort. J'ai pété un arbre avec l'aide d'un autre tronc, je crois qu'il m'a repété un autre. Théoriquement, quand on aura fini la maison, ça sera quoi l'objectif? Déjà, le temps que je la finisse, moi je pense que je. C'est que ça, en vrai, ça me prend encore beaucoup de temps. Tu veux que je t'aide? Tu veux que je fasse un truc? Bah, tu peux regarder dehors si on voit des poutres apparaître sur le. Je vais faire le tour de la maison. Bah, surtout en face de là où je regarde, tu vois. Là, j'en vois pas. J'en vois pas. J'en vois pas. Et j'en vois pas. La pot de poutre. Sympa que vous nous proposez. Et en Voilà, fait, tu vois, les X sont utilisés pour finir les toits. Pour finir les toits. Genre sur les côtés. mais en fait, le problème, c'est que je sais pas où les mettre. Bah attends, regarde mon live et il y a les X qui sont justement utilisés. C'est genre, tu comprendras mieux ce que je veux dire. Ah, mais je vois pas bitcher. Mais mets ta torche. Ah oui, d'accord, de dehors. Ouais, mais notre toit, il arrive pas pile à un angle. Il y a un truc plat. C'est utilisé Mais comme de toute ça façon, les. en fait, le problème, c'est que je peux pas encore passer au toit. Et Comme ça. surtout, on peut pas faire ça dans le sens où
Nous, ça vient pas sur un pic. C'est pas deux qui se rejoignent. Il y a un espace de mort. Oula, je me suis mieux cassé les gueules. Mal, ça. Ça, ça a l'air de faire tenir. Regarde si c'est vert les toits les plus hauts. Comment ça, si c'est vert? Si tu vois le truc en vert. Comment? Bah non, je vois. Ah ouais, mais faut que tu mettes le marteau. Prends le marteau dans ta main. Ah oui, je les vois en vert quand je vais dessus. Ok, donc faut que je parte sur cette base-là. Mais par contre, les autres, c'est en rouge. Ça. Oui, mais c'est normal. Là, c'est orange. Et même tous tes pieds, c'est en rouge, normalement. Non, je crois pas. Non, là, mais je veux dire tous tes pieds, là. Ceux-là, ça va. Là, c'est un tout petit peu orange, mais il y en a que un. Le reste, c'est vert. Attends, donc si, normalement... Vous êtes un bon ingénieur. Ok. Jour 9. Donc, attends, si j'en suis... Malheureux. Non, ça va casser. Mais oui, bien sûr que ça va casser. Pourquoi il y a du bois là-dedans? C'est pas là-dedans qu'il va le poids? Il y a un coffre à bois. Ah bah, il est vide le coffre. Est-ce que tu veux que je te fasse ta tunique en cuir, Yoyan? Dis pas non. Oh putain! Nat, faut que tu... Avant de mettre des trucs dans les coffres, regarde ce qui... Vérifie tous les coffres et regarde s'il n'y a pas des trucs que t'as déjà. Hein. Si t'as mis des trucs là, j'ai eu peur, hein, putain. En gros, il restait genre deux pots de serre. On en avait 35. Dans ma tête, ça m'a fait un peu peur. Il faut quoi, Yoyan? Pantalon, tunique? Tout. Je te crée un petit pantalon. T'es tenu. Mais il a pas une tunique? Non, j'ai juste la tenue de base. J'ai jamais craft une seule tenue. D'accord. Est-ce que tu veux un petit casque en cuir? Pour l'instant, ça me sert pas à grand chose. Mais... Ok. Il reste du bois sur le toit. Oui. Oh putain. Vous pouvez faire des escaliers pour aller le chercher. Ça, attends, moi je t'apporte ta tunique en cuir. Mais je suis en bas. Ah merde. Je suis dedans, moi. Bon, déjà le toit c'est bon. Dans le coffre à bois il y a genre encore 100 de bois, peut-être un truc comme ça. Peut-être 90, 80. Moi j'aimerais bien finir l'intérieur, comme ça vous allez le chercher le bois là. Bah, attends. Tiens, ta tunique. Je la mets devant. Où ça? Devant où? Là. Il y a l'autre qui est là. Tac. Le fut. Putain, j'ai enfin avoir un fut. Vous l'avez mis votre vieille tunique? Bah, je sais pas, elle a disparu, je l'ai plus. Ah, mais je crois que je l'avais récupéré. Vu que j'en ai deux. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis trompé de touche. Putain, il pète du toit le con. Ah non! Oh là, ça va, c'est pas grave. Il t'a pété des poutres? Ah non, j'ai rien dit. Il a pété un bois. Non, c'est que j'avais plus de bois pour passer le coup. Voilà. Comment on répare? Putain, j'ai pété, je voulais réparer. C'est clic normal quand t'as juste le marteau. Ouais, mais comment je... Ok, c'est comme ça qu'on a juste le marteau. Mais ça sert à rien que tu répares tant que j'ai pas fini. Mais c'est à l'intérieur. Merde. Voilà. Ah oui, on voit leur vie. Oh. Ça c'est tout rouge, monsieur, ça. Attends, mais pourquoi eux ils sont rouges là derrière toi? Yoyan, arrête.
Arrête quoi? Derrière toi là, ils sont rouges. Oui mais c'est normal, faut que je mette une poutre au milieu. Poutre? Ah d'accord. Mais même au bout ils sont rouges. Mais même ceux que t'avais fait au début ils sont rouges. What? Ils sont verts. Ah d'accord, ce truc est trop rouge, le rouge je trouve qu'il se passe, qu'il se casse la gueule en centre. En fait c'est pour ça que j'aimerais bien que tu me les répares pas. J'ai rien réparé, j'ai réparé des planchers au sol. Non mais juste je préfère te le dire parce que ça me permet de voir où il y a un petit rouge là. Non, un truc qui va pas. C'est compliqué à dos cette affaire, hein. Putain, faut réparer l'établi aussi. Ah ouais? Il récupère le bois. Il récupère le bois. Oui. Non, c'est... J'ai cru que tu cassais des trucs et j'étais... Trigger. Ah ouais, ouais, non mais c'est... C'est le tiers-monde ton échelle. Ouais, j'ai dû superposer deux trucs vite fait pour pas qu'elle se casse la gueule. Putain, j'ai tout le bois. C'est dégueulasse, t'as pris tout le bois que j'ai mis dans le coffre. Non, j'ai pas tout fait. Il m'envoie des bouts de X dehors, mais des tout petits bouts. Ouais, mais si c'est que ça... Ouais, non, mais ça, en fait, ça se voit pas, on dirait presque des finitions, en vrai. Mais j'ai la méga dalle. Ok. Ah, putain, je peux refléter ça. C'est normal, tout s'effondre, c'est normal. Comme ça, tout s'effondre, c'est normal. Et là, c'était voulu. Tiens, les graines, ça donne quoi? Ça ressemble à quoi? Ça pousse genre la gueule. La gueule de l'arbre, ça fait quoi? Je sais pas. On en a 12. Je comprends pas sur quoi rouge, en fait. Mais si tu le répares pas, normalement, ça... Faut utiliser les graines sur quelque chose. Ah putain, la poutre, elle passe à travers. Mais tu sais pourquoi c'est rouge, toi, Yann? Bah non. Mais attends, chaque chose en son temps. C'est compliqué à dos. Apparemment, faut utiliser la graine de lait sur quelque chose, mais quoi? Sur de la terre meuble, je pense. Et la terre utilisée par là où? Bah, il y en a juste là où je suis, mais Ah, le feu, le feu! Ah... J'ai l'impression qu'une roulade, ça éteint le feu direct, par contre. Au secours. Non. À l'aide, je suis coincé dans les touches. Mais non! Je marche toute seule. Au secours. Ah c'est bon, j'étais passé en AZERTY, quel con. En QWERTY. Non, les rouleaux, ça a été un peu le feu. T'as testé. Quel débile. Et si c'était rouge, parce qu'il n'y a rien qui les tient entre eux. Genre si on mettait une planche. Parce que techniquement, en architecture, c'est ça. Si tu mets pas le haut de la de l'arche, ça tient moins bien. Ah, une base solide pour des fonds, pour des toits solides. Tout à fait. Par contre, je trouve que le haut, là, l'étage, il fait très auberge dans Skyrim. C'est un compliment. Donc c'est très réflexif. J'ai essayé de me pousser partout. Alors déjà je fais ce que je veux. Ah il va chercher du bois, c'est bien. Travail. Bon, sinon, ça te dit qu'on explore quand même le nouveau monde à travers le bateau? Ah bah on peut, si tu veux. Yo, tu veux pas explorer le nouveau monde avec nous ou pas? Bah j'aimerais bien au moins finir, parce que moi j'en suis pas si loin que ça. J'arrive.
C'est pas ce que tu disais il y a quelques minutes. Ah, on se rejoint au bateau, Nat. Ouais, j'ai déposé mon bois là. Ok, je veux quand même, non, il va quand même avoir du bois là-bas. Vide un peu ton stuff. Ouais, j'ai quelques trucs, mais c'est pas non plus. J'ai les graines d'être, on s'en fout, non. Bah tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais fabriquer un bateau de secours. Des fois qu'on a besoin d'y aller en urgence. Ah oui, je vois si le nôtre pète et qu'on est. Mais pourquoi t'as mis un établi ici? Pour le construire, pour réparer le bateau et construire les bateaux. C'est une mine chantier pas mal. On en a besoin. Sinon, on pourra pas. Si on a plus d'enduit dans l'eau. Tu prends des dégâts. Oui. Et tu meurs. T'as réussi? Je sais où. J'ai trouvé. En tout cas, je positionne le bateau, Nat. Putain, mon oui de satisfaction. Je te prépare à l'aventure. En vrai, je pense qu'on a beaucoup de baies, mais ça commence à être un peu croix aux baies, non? Perso, je suis fou en baies. Hein. Toutes les baies que je rattrape, en fait, j'en bouffe beaucoup. Alors, voyons voir. 5. Moi, je mange pas. Construire un batal, est-ce que j'ai assez? Ne va pas. Non, il me manque. Ah, il me manque de la résine. D'ailleurs, est-ce qu'on peut. T'as 3 de résine ou pas sur toi? Moi? Ouais. Pas du tout. Je vais voir si. On a plein dans les coffres de la résine. Qu'est-ce que tu me chies? Vous abusez, monsieur, il y en a plus de 50. Alors. C'est pas ça. C'est ça. Putain, les lignes font chier. Voilà, on en a un de secours. On a un secours et on peut y aller. Bah, on peut y aller quand il sera sur le bateau. Ah. Hop, t'es prêt? Oui. Alors par contre, quand on met 3 voiles, ça me met voile en rouge, je sais pas pourquoi. C'est elle, là. Peut-être que c'est pour me dire qu'on est à fond. Parce que quand c'était dans la tempête, c'était logique en soi, mais... Ah, elle est belle, la vue. C'est vrai que mon perso, il doit bien aimer. Ouais. On va le gros style en face. J'espère qu'on va pas se retrouver coincé. Yo-Yo pourra venir le chercher avec le battle que j'ai fait de secours, hein, si tu mets. Ou si même nous, si j'ai mon prêt. Sauvetage, Johan. Non. Ah bah super. Bon, je pense qu'on n'a pas le truc le plus rapide du monde. Ouais, et je pense pas qu'on y aura de plus rapide que ça avant un bout de temps, quoi. Ok. Ça va, vous pouvez profiter de la musique. Là, on est encore loin de l'île. Oh, on va mettre 20 ans. Ouais. Et là, imagine, c'est juste une hallucination. J'espère surtout qu'elle est assez proche pour qu'on l'atteigne. Ça peut marcher. La maison a dispawn pour moi. Pour moi, c'est plongé dans la poule. Au courant que entre là et là-bas, il peut y avoir 20 000 tempêtes qui nous tombent sur le coin de la gueule. Ouais. On peut se renverser 20 fois. Oui. Ah, océan. Oh. Océan. On est prêt à affronter l'océan, nous? Il fait bien sombre d'un coup. Ouais, c'est pas rassurant, non? Oh, il pleut. Demi-tour. Demi-tour, non? Je fais demi-tour. C'est un fiasco. On va avoir le vent contre nous. Oh la vache.
je vais. Je peux pas vraiment faire demi-tour. Attends. Ouh la vache, ça tangue. Quand vous serez de retour, j'aurai besoin de bois. Je suis pas sûr qu'on revient. Ah si, attends, on va être parfait, Nat. Attends. On va être dans l'angle mort du vent. Pleine balle. Et là, MD, on finit quand même au nouveau monde. On tombe à l'eau, on est baisé. Non. Ah oui, non, d'accord, il pleuvait uniquement dans l'océan, quoi. Je pense que c'est pour nous. Attends, regarde derrière nous. Derrière nous, ça avait chargé. Les décors avaient chargé derrière nous. J'avais pas vu. Mais je pense que c'est un peu trop tôt, Nat. On n'a pas l'équipement requis. Le radeau, c'est. Bah, surtout qu'on est que à deux, quoi. Ouais. Là, je sens l'expédition suicide. Et en plus, vraiment, il pleuvait qu'en pleine mer, quoi. Donc vraiment, le jeu, il veut nous faire passer un message. Ah tiens, regarde, ça a chargé derrière. Ah oui, un arbre. C'est peut-être pas si loin que ça, en fait. On n'est pas rapide, c'est surtout ça, le truc. Bah, surtout qu'en fait, que s'il pleut en pleine mer, ça veut dire déjà qu'il y a un boss, sûrement. Hein, qu'on soit d'accord. Pas forcément, mais il suffit qu'il y ait une tempête et qu'on se retourne, ou que le radeau pète, on est baisé. Tu veux un marteau. Quoi? Bah, t'as les talus pour ça, non? Alors, j'ai besoin d'un marteau. Il a pété le toit de l'établi. Bah on arrive. Non. Mais... Enfin oui, je l'ai pété parce que tout à l'heure j'ai vu que ça marchait, mais là ça remarche plus. Attends. Je manœuvre comme je peux pour retourner dans la petite baie là. Donc je vais vous réquisitionner vos marteaux. Attends, on est en pleine mer. Fais ce qu'on peut. Problème. Sinon tu peux crafter un nouveau marteau. Hein. Mais on va pas en crafter 30 000 pour qu'il y en ait qu'un qui sert. Enfin, qu'il y en ait. Ça sert à rien. T'as qu'à jeter l'autre à la mer. Le capitaine a un petit creux. Bah, il mange. Je peux ? Ah oui, je peux. Un petit champignon avec une petite framboise, et là, ça te remet la fringale, mais direct. Je m'en fous, viens dès. Bah, on arrive, mais on a une vitesse de pointe de 2 km/h. Voilà. Et en plus, on avait le vent en poupe. Et là, on a le vent en poupe. Donc, on est baisé. La vue. Mange bien la vue. Je vous vois même pas. Notre expédition est un peu foireuse. Oui, mais on est revenu vivant. On n'est pas encore revenu. J'avoue. Arrête de mentir à Johan. Ah si, je vous vois. Ah salut. Ah c'est toi là-bas avec ton bouclier là. C'est nous, on est là. Alors du coup, on vient des nouvelles du Nouveau Monde. L'océan, ce serait un biome à part. Et il pleut quand tu vas dans l'océan. Donc il nous faut un plus gros bateau. Éventuellement, oui, mais je pense pas que ce soit le cas dans le jeu. Je vous demande dans cette version-là. Bah si, il y a des gros bateaux. Ah ouais, dans cette version-là? Ah bah, il y a des navires. Oh enfin, des drakkars, je crois. Tu peux y jouer jusqu'à 10, donc normalement... Ah, la maison vient de charger pour moi. Mais du coup, quel est l'intérêt des radeaux si tu peux pas traverser l'océan avec? Bah, tu peux déjà traverser des belles étendues d'eau. On est qu'au début du jeu. On n'a même pas encore buté le premier boss, je te rappelle. C'est vrai. Il y en a 5. Là, tu vois, Yon, on est pleine balle. Ah ouais. En même temps, on a le vent, il est un peu contre nous aussi, donc... Hey. T'as fait un autre établi. Et du coup, il marche pas ton établi? Pas du tout. Si, il marche pour la construction et la réparation de radeau. C'est un chantier naval si tu veux. Je fais une manœuvre. YOLO. Oh, je pouvais attraper le poisson quand j'étais dans l'eau. J'ai dit, je fais ma manœuvre, pousse-toi. Jackie, passion pêche. Vous, non. Donne-lui ton marteau, je mets la manœuvre. File-moi ton marteau, c'est une réquisition. Tenez, monsieur l'agent. Merci.
Je me noie. Ah, je suis à l'abri. Pour le jeu, je suis à l'abri. Hey, je l'ai garé comme un pro. Non, mais attends, je suis sous l'eau et pour le jeu, je suis à l'abri. Et je récupère de l'endurance comme ça. Fais donc voir cette magnifique maison que tu nous proposes. Bon, je crois que j'ai compris pour la charpente. T'es quand même un peu humide. Hein. Alors, je crois que j'ai besoin de ton aide pour sortir de là. Non, c'est bon. Tu vas te débrouiller tout seul, mon bézo. C'est bon. Je suis pas ton pote, déjà. Ah oui, j'ai besoin de bois. Ah, il faut du bois encore? Ah oui. Ah, mais il y a toujours un trou dans le toit, en hein, plus. Oui, mais je vais bientôt pouvoir y remédier à ça. Ah ben, on va couper du bois. Ça, t'en fous. Normalement. Qu'est-ce que t'es, gros arbre? Il y a un crapaud là où je suis, là-dessus. Un chêne. Il en reste ou pas dans les coffres où vous en avez sur vous? À moins que j'ai tout pris, j'avais tout mis dans le coffre là-bas. J'en ai 30 sur moi. Je l'ai posé dans le coffre. Un instant. Ouais, quelqu'un retourne sur le toit, je crois qu'il y a encore des bûches. Je peux pas, je suis en train de taper du bois. Bah attends, je cuis des trucs. Alors, est-ce qu'il y a des trucs sur le toit? On dirait pas. Ah si, 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 il y en a un. Ah. C'est moche comme ça. Oui, mais c'est normal. Tu sais à peu près de combien? Bah non, du coup, il me faut mon marteau. Il faut mon marteau, du coup. Beaucoup. Il faut mon marteau, du coup, Billy. Dis-moi un chiffre à peu près. Je peux pas dire un chiffre, mais beaucoup. Autant que ce que tu as consommé pour le moment, ou... Ouais, à peu près. Non, autant que ce qu'il t'a fallu pour le reste de la maison? Ouais. Mais quoi? Pour les poutres? J'ai compris pour la charpente, donc c'est bon. Mais mec, je t'en ai ramené au moins 400, voire 600. Ouais, mais m'en fous. Bah Nat va chercher du bois en même temps, parce que je lui ai dit, j'en ai marre de tout casser du bois. Ça va faire chier ça en fait. Couper du bois 27, hein. Ça en dit long sur ma condition. Bûcheron va. Ah, j'aime bien quand je vois du vert sur les. J'aime beaucoup. Ça me rend chose. Ça te rend heureux. Ah ouais. Gobelin meurt. Plus heureux que quand j'ai eu mon bac. Nat, je suis gentil, je te laisse ta petite tour là. Ah putain. Aïe. Ah bah je te l'ai laissé, mais je suis mort. Il y a 4 arbres qui me sont tombés sur le coin de la gueule. Ah. Oh, on récupère ses compétences ou pas? Oui. En fait, tu les perds pas, c'est juste c'est une perte temporaire. Et le staff, ouais. On en perd ou pas? Non. Non. Là, faut juste que t'arrives à retourner à ton... En plus, c'est genre ta première mort. Si, c'est ma première mort, mais je suis mort à genre 100 mètres en plus. Je me suis C'est le seul inconvénient. Je me suis fait enculer en fait. Et surtout, c'est surtout une belle mort de merde en fait. Mais en fait, j'ai pété un arbre, sauf que les arbres qui tombent peuvent casser d'autres arbres. Et il en a cassé genre 2 autres, et ils m'ont reculé à 3, quoi. Je pouvais rien faire. Objet récupéré. Ah oui, course fantôme.
coupé du bois 25, hein. J'ai quand même perdu, j'étais 27. Ah oui, d'accord. T'as bien déblayé par là, effectivement. Et c'est de l'autre côté que je déblayais, mais... Ouais, mais quand même, on voit plus sur la map. Les arbres que t'as coupés. Ah bah oui. J'ai bien fait mon travail. Par contre, on découvre comment planter des arbres, en fait. Sinon, ça peut être problématique de faire 4 km à chaque fois. Ah là, ça va, il y en a pas mal, mais... C'est vrai que... J'ai 200 de bois, Johan. Oui, il y a des crapauds aussi proches de la terre. Course fantôme 3. Pas de perte de compétences. On avait la même, mais on sait pas trop ce que ça veut dire. Ouais, parce que c'est une négation et c'est une tête de mort, donc ça a pas l'air trop positif. Mais ouais. C'est une erreur de traduction, je pense. Bah mets le jeu en anglais sinon, quelques instants pour voir ce que ça donne. Je dois revoir ce que ça dit. Pour la langue, bah tu peux quand même voir vite fait. Genre pas besoin de démarrer le jeu, genre tu regardes juste si ça met à jour ou pas la langue, mais si je l'ai pas, tu vas s'en penser quoi. Non, ça change rien. Et ça reste longtemps cette merde? Un certain temps, ouais, mais tu t'en rends pas compte. Oh putain de merde. Par contre, ta mort, elle est marquée pour toujours. Non, bah vous avez qu'à aller dans les effets actifs. Pas de perte de compétence. Si vous mourrez, vous ne perdrez aucun point de compétence. Ah d'accord. Donc on en perd bien un peu. Mais on a une sorte de protection en mode, bah tu peux pas te faire foutre le chaîne baise. Par contre, j'aime bien le bois qui est coincé genre au-dessus de la tour par le X. Le gros tronc. Dans un peu chiant. Ouais. Hein? Il a failli me retomber dessus, ce connard. En vrai, ça aurait été stylé qu'il y ait genre des limites 100. Ouais, mais peut-être que c'est toute une cadence ou après avoir battu le boss, le premier boss. Et je pense pas que ce soit après ce premier boss. Ah, j'ai dû avoir battu deux arbres pour faire deux arbres pour faire tomber non trois autres ouais non deux arbres pour faire tomber deux arbres un arbre à la haute ligne. Pourquoi j'ai toujours le... La tour est à mon niveau. Qu'est-ce que t'as fait, Johan? J'ai pété un truc qu'il fallait pas. Mec, il y a un tronc d'arbre... Ouais, je sais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. D'accord, je croyais que tu parlais dans la maison. Et sinon, on la regarde. La regarde, ouais, les deux arbres que j'ai coupés, là. Enfin, que ça, j'ai coupé. C'est à cause de ta tour de mort. Il y avait deux arbres encastrés dans un, j'ai pété les deux. Sinon, on va voir les arbres que j'ai abattus, là, à droite. Ah oui. Genre à l'origine j'ai coupé celui-là. Merde. Attends. J'ai coupé celui-là à l'origine. Puis j'ai dû couper celui qui était à côté. Puis encore celui d'à côté parce que c'était encore bloqué. En vrai. Lui celui-là il me trigger. Je l'abats. Ah, attention ah, t'as que. Ah, ah, ah. Ce qui est bien, c'est quand il pète un tronc, ça te donne direct le bois, ça fait du bien. Mmh. Oh, mais c'est ton sorti ma gueule, ça. J'ai pas confiance de casser du bois à côté de toi. Ah merde, ma hache est cassée. Ah ben, mais j'en ai deux, donc ça passe. Couper du bois 26. Putain, je suis dégoûté de ma seule mort qui est ridicule. Oui, c'est dégoûtant.
Oh non, je peux pas, y'a pas de toit pour l'établi. Y'a un gobelin dans la maison. Mais c'est lui que j'entends depuis tout à l'heure. Nat il rentre, il voit la maison, elle est en bordel. Y'a des enfants, ils ont tout saccagé. Le gobelin, t'es mort. Putain, j'ai mis un manu là. Bon, Yohan, je t'ai ramené en tout perso à peu près 300 de bois là. Mais tant que j'ai ski. Il me manque un toit pour l'établi. C'est à cause du trou là, putain. Putain, ça tout à l'heure c'était vert et là ça l'est plus, j'ai envie de péter un câble. En tout cas, je vais pas recouper de bois, là on est bien. Ouais, mais moi j'ai plus de vache. Ah bah oui, moi non plus, du coup. Dites chef, les ouvriers ils demandent un toit. C'est possible d'avoir un toit. J'ai des problèmes aussi. Hein. Non mais avec les gars on essaie d'utiliser l'établi et on a vu que ça marchait pas bien. Bah sinon on a qu'à détruire l'établi. Et le remplace ailleurs. Mais en plus l'autre con il m'a pas redonné mon marteau. Et il est bientôt pété. Et on a plus l'établi. Mais t'es vraiment un enculé en fait. Pourquoi tu mets pas juste une planche? Les planches ça compte pas comme étant un toit. C'est de la merde. Et vous pouvez pas aller sur le toit? Bah, j'ai pas de marteau. Il est mort de dégâts de chute. Il est mort de dégâts de chute. T'avais pas pris de toit? T'avais pas pris de lit? Je reprends mon marteau. Non. Si, si, j'en mon beurre. Pardon. C'est pas bien de rigoler, hein, mais moi j'aime bien. Non, mais si je prends pour cette gueule, j'allais prendre pas moi mon marteau. Mais tu te l'ai dit, je te le prends tant que je finis la maison. Et mec, tu me demandes d'aller sur le toit, mais je peux pas parce que tu me le rends pas. Je t'ai pas demandé à toi, j'ai demandé à quelqu'un qui veut bien aller sur le toit. C'est pas le centre du monde. Bah justement. Putain, je me fais agresser. Parce que t'es une merde. Et ça t'irait pas, Yohan, un petit toit de chaume de 26 degrés, là? Ça fait dégueulasse. Bah oui, mais à un moment... C'est bon, j'ai reconstruit un atelier. Au moment il nous faut un toit, tu vas pas passer 20 ans sur le toit. Et l'atelier il marche. Du coup il est où l'établi? Contre le mur. Et là ça marche là? Oui, parce qu'il y a un toit au-dessus. Oui d'accord, parce qu'il y a du toit au-dessus. Ok, d'accord. Putain, t'avais pas compris comme ça? Moi je pensais que c'était sur toute la maison, je pensais pas que c'était à une case près. Là. Ah si, c'est à une case près. D'accord. Un mur en bois. Ah. Attends, je vais reprendre la suite. Je regarde, mais je trouve que tu te fais bien chier pour que la merde. Fais un truc un peu dégueu, c'est pas très très grave. Ah non. Au pire. Tu fais comme je t'ai dit, tu mets des planches. Ah, c'est dégueu. Tu mets des planches et au-dessus, tu mets le petit toit de merde. Oui, mais. Pourquoi il y a une croix en moins? Qui a pété ma croix? Ah, j'ai rien pété. La croix s'est pétée toute seule. Ah, j'ai rien pété. La croix s'est pétée toute seule. Vu comment elle était placée, elle pouvait pas se péter toute seule. Moi, j'ai rien pété, moi. J'ai rien pété non plus. Pas accuser les gens comme ça, messire, hein. Et un couteau en silex, ça sert à quoi concrètement? Quand on a des haches? Je sais pas, dépecer des trucs. Une main. Attaque sournoise 10 fois. Ah, c'est peut-être pour. L'infiltration. Ouais, mais je suis pas sûr que ça soit bien utile dans ce jeu. J'avoue. Vous avez hâte de poser du bois? Oui. Ah, plein. Je suis mort pour cette bûche, messire. Je suis mort pour cette maison. Donc...
Non, c'est là, c'est toujours dans ce coffre là qu'on met le bois. Pas vu que l'autre il ne met jamais au même endroit. Je l'ai dressé. J'en ai pris 126. Dommage qu'on puisse pas faire des petits murs en pierre. Bon. T'as du mal ma souris là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah mais j'ai pas rééquipé ma tunique. Ah ça par contre c'est un peu chiant de devoir la rééquiper. Qu'est-ce qu'on pourrait faire au niveau de la boue? Déjà il y a un caillou de mort là, le rocher de compagnie, j'imagine que c'est lui. Ouais. Déjà, à mort les crapauds. Par contre, c'est... Putain, Nat, on a un lit de couple un peu, on est tous les deux à côté, et elle est un peu en décalage en mode non, je me mets pas là, moi. Oh là là, mais c'est technique, votre truc. Oh là là. Deux. Cassez pas tout. Moi, je vais voir si je peux pas mettre de la déco un peu. C'est tout tristoun, ça ne va pas. C'est où? C'est là. J'annonce que ici. Démet. Ah mais attends, est-ce qu'il faudrait pas que d'abord ça et ensuite je fasse ça? Ah non, pas du tout. Comment ça se place les trophées? Ça me trigger de fou ça. Est-ce que ça peut seulement se placer? C'est pas juste un item comme ça. Allez, ça sert à quoi alors? Faire bon dans l'inventaire. Ah d'accord, quand t'as plus d'endurance, tu peux plus bouger. Ah oui non, t'es bien baisé. Ok d'accord, les trophées c'est genre pas du tout tout de suite. Ah ouais, c'est pas quoi du tout. C'est genre quoi? Bah je sais pas, mais faut battre un autre boss qu'on a jamais vu le nom, donc c'est pas tout de suite. C'est genre pas maintenant. T'as mon personnage regarde le sol par terre comme si qu'il était dépité de la vie. Pourquoi ça lâche ça? Là il y a des ressources sur le toit qui commencent à apparaître, dis-moi.
T'es sûr que tu veux pas faire ce que je t'ai dit, Yohan? Je trouve que tu te fais bien trop chier. Ça marche pas! Mais. Est-ce que tu vois ce que je veux dire au moins? T'as qu'à le faire plutôt que lui dire. Fais-le plutôt que lui dire. Bah. Attends. Ouais, mais j'ai pas de bois. Mais j'ai déjà essayé, ça ne marche pas! Que ça marche pas. Allô? Comment tu sais que ça marche pas? Parce que j'ai essayé. Mais non, mais qu'est-ce qui te dit que ça marche pas? Bah parce que le toit il se casse tout seul. C'est de la bite. Et là je crois que ça y est. Qui a cassé ou ça se casse tout seul? Qui casse? Pourquoi ça se casse? Moi je casse rien. Ah oui, attends. Si, je fais... Cause du gros cul de natte, ça c'est sûr. Je suis juste arrivé. Toi, je vais t'ouvrir ton gros cul. Ah non. Bah récupère le bois, toi. Pas tomber, pas... c'est ce que je fais, pas tomber. Oh non. Oh. J'ai chu, les amis. Attends, maintenant faut que j'affiche comme ça. J'ai échoué dans ma quête. Je vais mourir dans des cas de chute comme ça. Ah non. Ah, ça fait mal les dégâts de chute. Mais attends, mais du coup en fait... Mange pour plus de PV. Ah, je me repose. Charbon. Une catacouille. Catacouille. Ils sont en train... Il y a un mec qui fait un garticphone et il devait dessiner une gatacouille. Catacouille. Une catapulte à couille. C'est magnifique. Putain, mais je suis vraiment le roi des cons. Oui. Pourquoi il y a encore l'endroit où je suis mort? Ça restera à vie. Là, ça se dispone pas. Ah d'accord, j'ai la honte jusqu'à la fin de mes jours. Super. Oui. Je sais qu'ici, un arbre m'a tué. Cool. C'est quand même chiant d'être architecte, hein? Je le fais pas dire. Oh, non, je vais remourir, au secours. Sinon, t'as qu'à faire pousser une poutre au beau milieu. Oui, mais le problème, si on mettait plus de poutres. Si je mets la poutre en plein milieu... En fait, le problème, c'est pas de la mettre en plein milieu, la poutre. C'est qu'elle tienne. C'est que ça tienne là-haut. C'est vrai, c'est ça le problème. Bah y'a pas de problème. J'ai peur qu'il y ait aussi le système de ça s'effondre sous son propre poids. Ah, ma cahute elle était pas si bien, elle était pas si mal en fait hein. Elle tenait toute seule. Là j'aurais pas monté l'échelle. Qu'est-ce que le fion? Oui c'est là. Y'a plein de bois aussi de ce côté là. Ah non! Tu vas crever toi. Je reste dans le coin. Au coin. En fait, je peux pas bouffer parce que ma bouffe elle a pas encore dispawn là dans la barre. Donc je veux rentabiliser un max. Tiens, cherche à entendre comment marchent les graines. Bah, j'ai la flemme, je pense qu'on va chercher par nous-mêmes. C'est original, ça, dis-moi. Cette phrase est meuf. Bon!
Maintenant que j'ai... Oui, mais attends. Dis, papa, il y a une poutre en trop, là, quand même. Non, si, c'est bon. Je suis énervé, là. Frappez la poutre. Non, mais je me pose dans mon lit. Du coup, je viens de penser, il y a des serveurs multi, mais il n'y a pas moyen de protéger du grief. Non, je pense pas. Le jeu est beaucoup trop early pour ça. Ouais, mais c'est relou, ça. Un cerf à la nage. Non, un cerf à la mer, plutôt. Très paisible, en tout cas. Mais si on meurt en mer, comment on récupère notre stuff? Ben, on le récupère pas. C'est là tout le problème. Ah, j'ai un petit creux. Lors d'un petit bout de viande, ça. Un gobelin. Un gobelin. Fuck the goblin. Il est mouru. Cherche comment on plante des graines, du coup, toi. En jeu, hein, du coup. Bah oui. Sinon, there is no fun. Alors. Les grainasses, elles sont où? Elles sont là. Pourquoi il y a que 11 graines, c'est toi qui as pris les autres? Non, il y avait que ça. Mec, j'en avais une trentaine, rien que sur moi, je les ai posées. Bah, elles sont là. Mais tu les poses pas au bon endroit. J'en suis fiche trop rien. Les coffres sont petits. Eh oui, mais tu fouilles un peu. Justement. Mais vu que les coffres sont petits, c'est le beau faire le plus attention. Mais non. Le problème, c'est que je ne possède pas la magnifique ouf. Parce que la terre est retournée, mais très probablement pas cultivable, vu qu'il n'allait pas irriguer. Et le poids de la rivière? Bah, à la rivière. Bah, tu t'en craftes une. Je vais pas en crafter une, si on en a déjà une. Faites la passe. Passe là où. Ah oui, là où. Ah voilà, oh là là, plein de plans de construction, d'appris. Non, c'est ce qui te permet d'utiliser là où. Enchanté, bonjour monsieur le piaf. Il va t'expliquer comment la marche. Complémentaire idéal pour le marteau. Il y a plein de bois dehors. Alors attends, comment aplanir le sol? Souris 2, j'imagine. Ouais, c'est noir. Ah, il faut de la pierre quand même pour rehausser. Oui, et ça fout une blinde. Déblayer. Dire quoi déblayer? C'est retourner à la terre? Non, c'est juste enlever les plantes. Enfin, l'herbe. Ah oui, mais du coup, je veux pas aplatir, je veux. Déblayer. Mais en plus, ça aplatit un peu ma bite, enfin. Ah si, mais. Faut le faire plusieurs fois, quoi. Du coup, tu veux que je t'aplatisse ton terrain, toi, pour ton truc, là? Ton chantier naval. Ah bah non, c'est bon, c'est juste un truc il fait cieux, quoi. Enfin, essaye de voir s'il y a une physique de l'eau quand tu creuses, déjà. Ouais, pas bête. Je fais ça un peu loin. Ah, j'ai plein de crapauds sur le cul. Bute-les. On pensait pas que ça allait être autant le bordel à faire la charpente. Toujours un problème les charpentes. Bien connu. Alors, physique de l'eau. Après, est-ce que déjà le jeu permet de creuser aussi près de l'eau? Alors, oui. Ah, oui! Ah! Il y a une physique de l'eau. Donc, mais... ça veut dire que... Mais... J'arrive pas à creuser vraiment dans les terres. Ah, mais ça se recharge, d'accord. Ah, ça coûte de l'enduit. Oh, c'est un peu mal fait, quand même. C'est logique, mais... Tout coûte de l'enduit, me semble.
En fait, j'ai pas l'impression de pouvoir creuser un canal, si c'est ça que tu veux que je te dise. Ah, bah ça reste déjà bon à savoir, en somme. Il y a une physique de l'eau, genre oui, elle se déplace si je creuse au bord, mais j'ai pas l'impression de pouvoir creuser un canal, quoi. Bah non, on avait rencontré une limite avec Yo, J'ai l'impression déjà. Que c'est la même limite qu'on parle. Alors, en vrai, je sais pas trop ce qu'on peut faire à part tuer le boss. Bah en l'état, on est clairement obligé de le buter, en fait. Bah oui, on n'a pas grand craft. Voilà. Et si, il y a l'atelier de tannage qu'on peut faire, je crois. Ouais, mais... Et que ça nous permettrait de débloquer des nouveaux crafts, je crois. Bah au pire, la zone en bas, là, c'est la zone de craft avec tous les établis. Et du coup, la cheminée, c'est pas en projet, Johan ? La cheminée. Pour le feu de camp ? Si on met un feu à l'intérieur. Bah ça va, attendre. Ah oui, d'accord. 5 serres, 20 cuir et 15 silex. Putain, mais en fait, je suis tellement dans la charpente que je vois plus ce que je fais. Bah yes. Merde ! Ombrage charpente, bicom charpente. Oh putain, on a tout juste, hein. Cinq serres, j'ai dit. Ouais. Putain, c'est le truc le plus chiant limite à trouver qu'il faut le moins. Fabrication. Ok, j'ai l'atelier de tannage. Je le mets dans la maison. Bah pas au pif. Bah je peux pas. Doit être placé près d'un bon établi. Ah, on peut pas le mettre très loin, hein. Il y a 3 mètres, même pas. Rien. Je sais pas si tu vois où je suis. Attends, je vais le mettre. Tu me vois ou pas, Nat? Attends, je suis dans un truc de craft, j'arrive pas à mes trucs. Ouais, donc. Alors, là, ici, là, si je le place ici, là où je suis. Je vois pas l'item. Attends, non, mais je sais, mais là, je me place là où je veux le placer. Là, je peux. Oui, d'accord. Là, je peux pas. Oui! Oui, d'accord. C'est vraiment à côté. Faut que le mur. La torche en même temps. Tu veux que je te serve de torche? Je veux bien. Pose deux trucs avant. Bah, je le place genre à côté, hein. J'ai pas vraiment le choix. Oui, bah, genre là. C'est à côté. Mais du coup, il est niveau 3 le machin, non? Non, il est niveau 2 parce qu'il n'y a pas le truc à côté. Le Bilbo. Faut mettre le bio à côté. Il était déjà niveau 2, non? Oui, bah le bio a fait. En fait, les deux trucs font monter d'un niveau, je crois. Bah, c'est bizarre. Il y a un autre truc qu'on peut craft, qu'on n'a pas craft? Non, le bio doit être trop loin. Genre, attends, si je le construis. Ah, mais c'est fou, tu sais pas dire bio. Bah, non, ça doit être la cuisine. C'est 10 de silex. Ah, mais attends, vous pétez le bio, vous récupérez tous les composants. Bah il a pété le bio. J'ai récupéré le bois. J'ai pas récupéré le silex. J'ai pas de silex. Je crois que l'un de nous a menti. Ah non, c'est parce que tout à l'heure, tu lui as dit silex. Bon, pas grave, il nous en reste 33 du silex, au pire. Ça aurait été bien pratique, un petit feu de camp à l'intérieur. Ouais, non, c'est ça, quand il était là, ça marchait pas. Tu l'as pas craft du coup? Non, bah non, j'attendais je pensais que tu allais faire. Ah, je pensais que tu allais faire toi. T'avais l'air bien parti pour, je voulais pas te stopper. Loin de moi l'envie de freiner tes pulsions. Voilà, ça éclate des trucs au-dessus de ma tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que c'est con parce qu'on l'aurait fait de 1 large de plus ou de moins, c'était bon. C'est une réflexion très intense par ici. Putain, mais pourquoi ça marche pas? Ouais, maintenant c'est niveau 3, c'est parce que c'est trop loin, c'est ça. Il avait raison. Ah,
Ah mais j'ai plus assez de bouts de cuir du coup pour améliorer mon arc. Oui c'est vrai qu'on peut améliorer le truc. Bon, niveau 2 c'est déjà pas mal mais c'est chier. Oui il fait froid je sais. Il fait quand même froid dans notre casse-bas. On n'a pas de cheminée. Faudra créer une annexe. Et comment ça se passe quand t'essayes de mettre un toit, genre ça pète direct? Bah ça pète plus direct mais ça met du ça se pète au bout d'un moment. Putain mais en plus je vois rien, c'est ça qui me rend dingue quoi. Et si tu fais comme je t'ai dit un plancher mais plus bas, pas au niveau pile du trou mais genre un plus bas. Ah ça marche pas, j'ai déjà essayé, ça fait trois fois que je te le dis. Non mais alors, j'ai changé mon truc, c'est pas exactement la même chose que je t'ai dit. Calmez-vous. C'est la même chose. Non, parce que je t'avais dit un plancher pile au niveau du trou. Non mais j'ai jamais essayé avec le toit, un toit au-dessus et le plancher, ça marche pas. Je peux. Ah mais on a plus de cuir. Je veux pas être casse-cul hein, mais il nous faut absolument un feu à l'intérieur de la maison. Parce que là les lits servent à rien sinon. Ah oui d'accord, c'est la charpente de la cathédrale de Paris que tu nous fais là. Et encore ça marche même pas. Putain. Et tu les poses sur la charpente? Ah bah c'est bizarre. Ou pas? Attends, je réfléchis. Ça va en plus avec la nuit, tu vois rien. Ah bah attends, je peux être ta torche. Mais là, en fait, c'était pile sur pile, là où je suis en train de viser. Bah oui, mais je sais pas où tu vises. Là, c'est bien. Ah, je instant pause, patoche. Le monde de l'ingénierie de moi, son paroxysme. C'est quoi ces bruits là? C'est moi. Je fais des expériences. Tu me fais trop peur à chaque fois. Waouh! Quoi? Ça a une consommation massive en boîte, mon truc? Bah ouais, mais en vrai, je crois que c'est ce qu'il faut. Non, c'est ce qu'il faut, le jeu qui te pousse pas trop à farmer, quoi. Alors, est-ce que tu peux te retourner? Parfait. Tiens, les bruits de natte, je te jure, ça me fait trop peur. Ok, alors descend, commence à descendre. Ah oui, non, mais non, c'est normal, tu n'arrives pas à le poser, je suis en train de...
Wow! Il y a un méga orage dehors. Trouve. Bon, je crois que j'ai une bonne nouvelle. Ah! Je crois que le toit est fini. Mais pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Bah, ça aide au soutien au-dessus, hein. Non, ça sert à rien. Enlève-moi ça. Et MDR, le toit se casse les gueules. Mais c'est sûr que ça sert à rien. Ok, bah vas-y, détruis. Je peux enlever mon statut de torche humaine? Oui, je me fais pas chier à faire un micmac bordélique en haut pour que ça soit en bas. Attends, mais... Par contre, le bruit quand t'es à l'intérieur, c'est... Par contre, ouais, le ciel, ça me trigger. On a pas, t'as pas fait le toit partout. Alors, je propose qu'on commence à aménager dans le sens où on met des torches. Ah, il faut de la résine. Je vais chercher de la résine. Moi, je vais me brûler un peu. D'accord. Oh non! Le feu, il marche plus. Bon, je reviens, je vais me chercher de la flotte. Je m'occupe des torches, ok? Je vais me chercher de la flotte, je reviens. Bah, pour le moment... Ah, je peux pas dormir, très bien. Bon, bah, je re... un feu. Ah, d'accord. Bon, bah, je re... Tout. Adieu. Mais non, mais j'ai oublié de mettre ça. C'est bilus. Alors, calmez-vous, je vais essayer de péter. Comment on pète? C'est ça. Oui! Je voudrais sélectionner la torche. Merci. Est-ce que vous trouvez que c'est bien éclairé en haut? Attends. Je te laisse gérer, j'ai d'autres trucs à gérer. Attends, c'est ça. Le fait de pas pouvoir ouvrir les portes avec un marteau en main, je crois que c'est un des trucs les plus énervés aujourd'hui. Putain, mais tu peux même pas marcher sur le toit, quel enfer. Je dis au re. Salut. Alors, ça a branlé quoi depuis mon absence? Bah déjà, dis-moi si l'éclairage est bien. Bah, ça me paraît bien, oui. Elle va voir en bas aussi. Ça me paraît bon aussi. Ouais, j'essaye de reboucher les trous qu'il y a dans le sol. Ah, tu peux rétablir le tout, ouais.
égaliser tout. J'essaye, hein, c'est pas surtout devant là, ça fait un peu dégueu, mais j'ai pas vraiment le choix. Parce que franchement, ça me trigger de fou ça. Je suis parcours du combattant là pour aller avec toi. YOLO. Ça va Yohan? Il est là Yohan ou pas? Oui. Il est concentré. Non. T'es mort? Oui. Il mord des non. Mange de la viande pour pas avoir des dégâts de chute. Putain, le nombre de fois que je suis mort pour cette maison. Deux fois quand même. Il veut me parler. Lui. Ah putain. En vrai, la charpente, ça me rend fou. Ça a tenu là, ça tient. Et en fait, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un bout de bois qui fait que la charpente ne tient pas. Là tout de suite ou avant? Non, là. Bah, elle a l'air de tenir la charpente, non? Non, par un endroit. Il y a une case où c'est... ça tient pas. Et j'ai oublié un bout de bois. Putain, je me fais agresser par un sanglier. Bon, après la charpente, on vous propose qu'on avait pété le cul du premier boss au moins. Mais moi, je vais pas donner à m'arrêter en vrai. Quoi? J'ai cours, moi. Pas en vacances. 10 gouttes. Il y a des trous que j'arrive pas à reboucher. Mais ouais, le sol, il est bizarrement branlé. Voilà. Je suis là quand même. Non, lui je peux pas, lui. Là, ils sont concertés avec Bethesda pour faire des systèmes de construction un peu buggés. C'est cool. T'as vu? Est-ce que je fais au rez-de-chaussée, vu qu'il y a plein de trucs qui servent à rien, un mini enclos où ça sert vraiment à rien et je perds mon temps? Je pense que tu perds ton temps, mec. Repasser mesure entre les animaux dans la baraque. Je sais pas, je demande. Oh! Alors ça. Alors là, ça fallait pas me le dire deux fois, les amis.
contre, ce qui est très frustrant, c'est qu'on puisse pas déplacer ce qu'on a mis. Ouais. Toujours obligé de détruire. Je suis en train de placer des trucs, je vois le toit qui s'ouvre et il y a des gouttes qui tombent sur le plancher. Incroyable. Est-ce que je mettrais pas des coffres à l'étage du coup? On va peut-être pas les laisser dehors. Bah tiens, pourquoi pas. Je les mets à l'étage ou au rez-de-chaussée? Au rez-de-chaussée, je pense. C'est sûr, on va peut-être pas trop les distinguer au rez-de-chaussée aussi. Oh, si. Bah, c'est surtout pour pas qu'on ait besoin de monter en fait. Je peux. Ah, bah alors attends, je sais ce que je peux faire. Déjà, je vais tester. Est-ce que ça marche? Est-ce que je peux. Oui. Ah, d'accord, il a détruit un arbre et il s'est effondré. Il n'y a même pas donné de poids. Ok, ça, ça marche pas. Si j'essaye ça. Ah oui! Ah, Nat, viens. Bah, Johan, est-ce que je fais des. Attends, moi je suis occupé de mon amour. Je coupe Nat. Du bois. Ah, mais ça fait dégueu, attends. Non, j'ai beaucoup de problèmes à régler là. Putain de toi, là j'en ai pas plus. Et merde. Je suis vraiment un débile. Bon, je vais avoir ratissé toute la fois qui est resté là. Ah, ça m'énerve quand ça fait ça. Mmh. J'essaie de construire un... De Dieu. Ça gâche tellement de ressources. Je déteste ça. Mais j'ai abattu les derniers arbres. Ah, y'a plus de bois. J'ai une pile de bois là où je suis. C'est où? C'est toi au nord là? Ouais. Qui d'autre? Ah, mais t'as déblayé la forêt comme jamais. Oui. En fait, c'est chiant que tu fasses des piles de bois. Ouais, mais c'est plus en pratique que moi parce que je l'ai fait faire partout et je peux continuer à couper du bois. Là-bas, regarde. Il y en a deux. Ouais, mais c'est chiant parce que déjà tu les as pas mises à côté de la maison. Oui, mais j'ai été trop lourd. Ah oui, mais tu laisses le bois et tu le poses vite, tu reviens le chercher quoi. Là, faut que je les pète tes piles de bois à la con. Au marteau. Ajouter bois. Nat, pourquoi ta pile de bois m'a donné deux de bois? Détruis la seconde. Mais non, au marteau! Mais, connard! Je t'ai dit au marteau! Mais... Yo-Yo, t'es d'accord que j'ai dit au marteau? Depuis tout à l'heure, je te dis de pas faire ça parce que c'est de la merde. Putain...
Mais je t'avais dit au marteau. Bah, si tu reviens, 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 j'ai du bois. Putain. Fais jamais ça, fais plus ça, putain. 20 fois, je te dis de pas faire ça. J'ai du bois, j'ai déposé du bois, là. Bah oui, mais là, on en a perdu plein. C'est jamais que 100, quoi. Bah, quand même. Putain. Yo-yo. Quoi? C'est d'accord que j'avais dit, utilise le marteau. Je sais pas, j'écoutais pas. Je le disais aussi. Ah mais oui, t'as dit marteau, mais... Moi, par réflexe, j'ai pris la hache pour les péter, parce que c'est des trucs à péter. Normalement, la charpente, c'est bon. Ce coup-ci, c'est véridique. J'ai fortifié ça à coup de glu, mon pote. Et là, MDR, tu te fais chier pour rien, parce que le prochain tiers nous donne de meilleures poutres, ou une connerie dans le genre. Je m'en bats les couilles, il bouge. La maison, celle-là, elle ne bouge plus. Je ne touche plus. En tout cas, j'ai fait un truc cosy et sympathique. Ah, moi, putain, ma chère. Pourquoi il y a un tronc? Alors, je vois un tronc. Sur une tour. Il est beau, Jean Bombeur, ici. Il est beau. Je vois un tronc dans le vide, c'est normal? Oui, ça doit être le tronc de la tour. Y'a des trucs qui pètent au-dessus de moi, hein. Y'a des trucs qui pètent au-dessus de moi, Johan. Tu vois pas, attends, Nat. Y'a un trou dans le toit, hein. C'est normal ou pas? Attends, je vais voir, Nat. Quoi? Tu le vois, le tronc, là? Où? Oui, y'a que moi qui le vois. Sur la tour? Tu vois le grand arbre, là. Le plus grand arbre qui est en face de moi. Attends, prends ça. Ouais. Et bah, y'a un tronc au-dessus. Non, sur le stream de net, y'a que toi. Non. Pour moi, y'a un tronc. Non, non, non. Et pourquoi tu me donnes du bois? Parce que j'en ai trop. D'accord. Tu récupères du coup? Du coup, oui, j'y arrive. Du coup, qu'est-ce que tu me chies, justement? Bah, y'a des trucs qui ont pété au-dessus de moi. Genre bla bla bla. C'est peut-être du plancher, j'ai mis du plancher de merde normalement. Il y a un trou tout au bout. Bah, ici il y a un trou. Là où t'es mort. Ça pète tout le temps. Ah non mais ici j'ai pas. C'est là où t'es mort. Mais est-ce que j'ai eu le temps de le péter? Je ne sais pas. Oh, viens monsieur connard, viens voir ce que j'ai fait, un petit truc cosy. Ok. Ce qui nous a coûté 100 de bois parce que du coup j'ai pas récup, mais là. T'as vu, c'est bon. Et on peut y accéder quand même, c'est beau. Ouais. Mais en même temps, avec ce qu'on a comme craft, je peux pas faire des miracles. Du coup. Ah, t'as mis du tapis de serre. Ouais. Tu t'en sors, Yoyan, ou c'est normal le trou? Attends, j'ai pas encore été voir. Ça me frustre de pas pouvoir aménager la maison. Moi, ça me frustre que le toit est qu'il me tombe. Et on laisse vraiment un trou au-dessus de la porte ou je le referme? Ah oui, non, d'accord, il y a. D'accord, oui, d'accord, il y a un trou dans le toit en fait. Le toit manquant en fait, il est pas là. Toi manquant, il est pas là. Oui. Je pense que c'est assez véridique. Et ouais, j'ai quand même pas mal déblayé à gauche. Hein. Alors, Nat, si tu peux faire le toit au-dessus de toi. Alors, tu vas rire, j'ai pas de bois sur moi. J'en ai, si tu. C'est toi qui pète des trucs, Yon. Oui. J'en ai, si tu veux. Donc, si tu me vois pas râler, c'est que c'est normal. Qu'est-ce qu'il faut se dire? Faut que je remette. Ah bah je tombe dans le trou. Bonjour. Toi, 45 degrés. Alors attends, faut peut-être prendre le marteau avant de faire des clics droits. C'est pas lui, ça doit être lui. Comme ça.
Oui. Attends, ça ne veut rien dire. Eh, après, je sais pas vous, mais je mettrais bien une petite tour là. Enfin, je laisserais bien peut-être ce niveau là, en planche. Je ferais une tour, et s'en pense, Nat. Peut-être pas une tour, mais tu sais, genre juste une vigie. Pour chasser les bêtes. Si vous pourriez récupérer le bois du toit, s'il y a des morceaux de bois sur le toit. J'en vois trop. 4. Ah d'accord, en se tenant dessus, on fragilise le truc. Est-ce que je peux me faire une vigie sur le côté de la... Moi, du moment où vous ne pétez pas mon toit, moi c'est tout ce que je demande. Je m'en occupe alors. C'est, je demande pas grand chose, c'est juste laissez-moi mon toit. Pète les escaliers. Ah, mais Nat, tu me détestes. Qu'est-ce que t'as fait, Nat? Il a fait que de me pousser. Je tombe. Ça va. Alors. Je suis pas assez proche de l'établi? Il faut que tu sois dans la zone de l'établi. En gros, là, t'es pile sur la limite. Ah oui, d'accord, ok. Par contre, tu peux construire en dehors de l'établi si tu es dans la zone de l'établi. Voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est spécial. Quoi. Putain, c'est vrai, j'ai oublié là. Putain, de base, je voulais chercher du bois, je suis un connard. Putain, mais Nat et ses piles, ça me fume. Ah non, mais les... Franchement, Nat, arrête avec les piles. Hein. Moi, ça me... Ça faisait un bout de temps qu'elles sont là, les piles. Hein. Là, je suis dévasté d'avoir perdu 100 de bois à cause de mes conneries. Trop con pour m'écouter. Mais... Non, je suis désolé. Ça fait 20 fois que je te dis de pas le faire. C'est toi qui m'as pas écouté à la base. Vous avez construit des trucs? Non. Comment ça? Enfin, ou construit ou détruit des trucs? Non, moi non. J'essaye d'en placer un, mais j'y arrive pas. Ça tremble. Non. Ah. En revanche, ce que je peux faire, c'est des palissades, tiens. C'est pas con. Putain, en fait, c'est Nat quand il est sur le toit, t'as l'impression que ça casse quelque chose, mais en fait, non. Du coup, à chaque fois qu'il est sur le toit, c'est une chute. Est-ce que je peux... Non, d'accord, je peux pas construire de palissades en dehors de la zone de machin. De la table de craft. Alors, normalement... Si le toit il se casse, je réponds plus de rien. Bah, cette charpente m'aura pris une soirée quand même. Hein. Oui. Par contre, il y a toujours des bouts de bois sur sous le toit. Ouais, ça on peut pas les récupérer depuis l'extérieur. Oh là là! J'en peux plus, moi. Ça m'a fatigué, cette merde. Voilà, j'ai ma vigie, hein. On va se contenter de peu. Je vois une salvette au loin. Bah, attends, on va tester la portée de l'arc. Où les cures de sanglier? Sur un truc de droite. Là, genre, ça doit être lui. Non, c'est lui. Mais j'y en vois pas. Ah, c'est parce que c'est moi qui les ai, pardon, mais il y en a plus que deux. Ah putain, je crois qu'il m'en faut trois. J'en ai deux. Ah, voilà. Est-ce que je pète les escaliers qu'il y a dehors du toit? Tiens, voilà le cuir de sanglier. Oui, tu peux.
va essayer de pas péter un toit d'Yohan. Ta mère, je construis les balais, les trucs du mauvais côté. De ne répondre depuis de rien. Depuis de rien. C'est pas quelqu'un qui a tout pris Psylex aussi? J'en ai que 20. Je crois que j'ai tout mis. Attends. Attends, t'as dit, je crois que j'en ai que 20. J'en ai que 20. Bah 20, c'est pas tout ce qu'on avait, mais c'est pas loin quoi. Il y a zéro dans un coffre. Mais normalement, il y avait tout dans un coffre. J'en ai pas utilisé beaucoup. Bah normalement, il était là. Dans ce coffre-là, mais... Simplement, ce n'est plus le cas. Ah, par contre, je suis un peu salaud, j'ai volé de la résine. C'était quoi ce bruit? Moi qui réparais un truc. Ah, les bruits, quoi. Bon, j'ai utilisé 15 de silex, par contre. Ça fait quoi? J'ai amélioré ma lance. Ah, d'accord, je voulais dire... si t'as crafté un établi ou un truc, il y en avait déjà. Non, mais je le savais. Préparer le marteau, quand même. Oh, merde, c'est là. Mais Nat, j'ai vraiment l'impression qu'il fout toute sa merde au pif dans les coffres et... Putain, vous avez déprimé Pierre. Ah, il y a du bois, là. Délicieux bois. Tu vois bien qu'on se fait chier à ranger. Pourquoi il y a un établi ici? Oui, pour améliorer la portée. Et parce que je compte contre sur des palissades. Ah ouais, c'est ça, ouais. En vrai, on peut essayer de se saucer le... Le boss? Le premier boss, ouais. Mais moi, par contre, c'est sûr, je vais me coucher après. C'est soit on le fait là, et je vais me coucher, ou soit je vais me coucher tout de suite. Bah, on le fait là, le boss. Là, faut se préparer, quoi. Ah, attends, okay. Johan. Attends, faut que je mange, moi. Johan, viens là. Tiens, t'as où, de merde? Et pose-le dans le coffre, hein, stop. Je vais la récupérer. Il faut de la viande crue pour invoquer Jackie. Ah, je sais pas du tout ce qu'il faut. On sait pas du tout ce qu'il faut. C'est peut-être tout comme n'importe quoi. J'espère qu'il est pas trop dur. Normalement, c'est le premier boss. Attends, mais j'avais de la viande de. Bah, de trucs, mais j'en suis jamais servi. Je suis équipé là. Attends, c'est bizarre, j'avais de la viande de trucs, mais j'en suis jamais servi. J'ai de quoi bouffer. Est-ce que quelqu'un a des champis? Bah, je vais vous. Ah, mais. Bah, excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai 50 de cailloux sur moi. C'est parce que ça, j'avais détruit les piles de cailloux. Ah, peut-être. Parce que j'ai jamais voulu avoir du caillou sur moi. Et du coup, là, je peux faire un feu à l'intérieur ou... Bah, il faudrait une cheminée parce que là, la fumée va nous tuer. Et si tu voilà. Mets le feu à côté d'un trou d'air? Aucune idée. Et sinon, bah, c'est tout fait, hein, crois-moi. Bon, peut-être on a fait l'expérience. Aujourd'hui, mais la prochaine fois, faudrait qu'on se... Pourquoi cette poutre, elle est pas alignée aux autres? Ça me trigger de fou. C'est pas qu'elle est alignée, mais elle est en mauvais état. Non, elle est toujours pas alignée. Vrai. Là, il y en a deux, le reste, il y en a trois. Arrête de m'arnaquer, Nat. Bah, en fait, c'est moi qui ai mis celle-là, et le reste, c'est pas moi. C'est pas moi non plus qui ai mis les poutres. Ah non, c'est moi. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Après, c'est pas... Ah oui, non, d'accord, elle est pas lignée. Je vais m'en rendre compte, mais... Mais t'as vu, rien ce que j'ai fait pour les coffres, c'est beau? Oui, j'ai même pas vu. Attends, pourquoi on continue à se faire chier à ranger dehors, du coup? Bah, j'ai pas eu le temps de changer ce que j'ai dit, on fera sûrement pas aujourd'hui, parce que ça va prendre un peu de temps, mais on va ranger les coffres la prochaine fois. Bon, sinon, on va péter du boss. Attends. Je viens vu, mais du coup, j'ai envie de faire... Il est le bois, il est là, le bois. Vous avez de la peau classique, au passage? Bah, la peau classique, il y en a plus beaucoup. Le problème, c'est que les sangliers, ils en drop pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de sangliers. Niveau flèche, je suis bien. Perso, je suis bon. Par contre, la prochaine fois, faudra, si possible, ranger les coffres et vraiment partir en explo parce qu'on a plus de ressources. Quoi. Oui, on a déglingué tous les arbres. On a 102 de bois là. Et on a déglingué pas mal d'arbres. On va replanter et trouver comment on plante.
Ce serait pas mal. Monsieur Godet qui m'envoie des messages. J'aime mieux. On ferme la pop-porte. Attends, ah bah ouais, mais vous avez pas pris votre point de spawn dans le lit, vous? Si. Mais il faut un. Si toi, Nat, mais il y a que toi, Johan. Et il faut un feu à côté. Pour dormir. Bah, tu vas. Bah, tu peux essayer de cliquer dessus, mais c'est dit, il faut un feu à proximité. Tu vois, un lit doit être à proximité d'un feu. C'est chiant, ça, ouais. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait absolument un feu dans la maison. Mais après, en fait, le problème, c'est le truc de la fumée. Genre, à part le foutre ici et faire un trou là, je vois pas quoi faire. En vrai, t'aurais pu faire un trou là où ça te faisait chier. Mais non, je pouvais pas, parce que sinon t'avais quand même de l'eau qui tombait, en fait. Putain, j'ai pas récupéré les trucs qui me faisaient chier. Par contre, monter les échelles, quel enfer. Oui, c'est un peu bizarrement branlé, les échelles. Je suis quand même très content de la maison, elle a un peu une sale gueule, mais... Là, depuis ma vigie, on peut voir les bateaux qui arrivent et qui partent, c'est beau. Putain, mais c'est encore toi qui récupère ma bouffe. Ah, c'est moi qui demande à récupérer des trucs, et c'est toi qui récupère mes trucs. Attends, non, mais garde-le, de toute façon, tu vas en avoir besoin pour le boss, pour avoir plus de PP. Et en vrai, moi, je suis sûr, on va le défendre. Oui. Il ne faut pas douter de son talent. Tac. Tac. Vous êtes bien full cuir ? Non. Comment ça, non ? J'ai que la tunique de cuir. Mais il y a des pots de serre quelque part. Là, quelque là part. Dans ce coffre. Là, dans celui-là, là. Il y a des pots de serre, fais-toi le... J'ai été chassé du cerf exprès. Moi j'ai juste pas le casque, mais en vrai je pense... Je sais pas si le casque est très important. Petit coup avant le départ. Full réparer vos trucs. C'est déjà fait. Le casque il apporte autant de protection, il est juste plus léger que le pantalon en cuir. Alors, c'est où la pierre d'invoque? C'est juste derrière la maison. Ce que j'allais dire, j'ai... On en a marqué une. On en a marqué une. Je crois que c'est ça l'offrande. J'en ai pas, moi. Et du cuir. Vous avez eu encore du cuir de cerf? Il en reste 5, c'est Nat qui a dû le prendre. Oui, j'en ai 5. Donc, on va prendre le cuir de cerf. Et de la viande crue. Elle est où la viande crue? Ça doit être dans le truc de bouffe, avant que quelqu'un l'ait étouffé cuir. Oh Quoi? Oh bah y'a plus de viande crue. Mais je pense que c'est juste de la peau de cerf qu'il faut. Bah... Plus j'ai une bonne vingtaine de viande crue. Quelqu'un a dû... Pourquoi ça prend? C'est Nat qui m'a sauté dessus. Oh c'est une étoile. Oh à bas la bête. Elle est trop loin là. J'ai plus d'endu. Alors attendez. Je fous le bouffe. Hop. Mais t'as pas fou le bouffe déjà? Ah si, mais c'est en train de despawn. Vous avez pris la queue? Quelle queue? Bah la queue de Nixie. Sinon, qu'importe. J'ai rien pris moi. Mais en bouffe. En bouffe. Non. Ah non. Bah c'est bon, on est ready. Ouais. Comment ça se passe? Ça nous TP un endroit, il spawn? Comment ça se passe? Je pense qu'il spawn. On va découvrir. Chasser les siens. Vous êtes prêts? Ouais. Rien ne se passe, même ta mère. Attends, bouge de la pierre. Là. Rien ne se passe. Peut-être pas ça qu'il faut. Faut que j'aille voir sur Google ou. Offer ball et tir. Bah. Faut pas de la viande crue en fait aussi. On va trouver un cerf et le buter. Mais non, attends, ça fait pas de sens. Les sangliers drop aussi de la viande crue.
Mais chasser les siens. Le trophée sinon, le trophée de serre. Ah peut-être. Il y en a plein en plus. Bah on t'attend là. Enfin, t'as bien déblayé la petite forêt là, hein. Bien, propre. Ouais, ouais. Bon, il reste le tronc qui trigger un peu sur la... Non, en vrai, il rend bien, mec. Ah, mais il est pas droit. Il est que sur une croix et pas l'autre. Oh. Je suis un peu le tank dans... Ouais, c'était clairement pas moi, de toute façon. Dans le milieu, du coup. Il y a des crapauds là-bas, Nat, si tu veux. Là où je suis. Du coup, je range le cuir. Bah, vas-y. Du coup, ça veut dire qu'il y aura un boss sanglier, quoi. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai vu une pierre comme quoi il y avait un sanglier spécial quelque part. Je t'ai buté l'autre qui est en face. Il y en avait deux. Il y en avait d'autres. Ouais, là, je suis pas sûr. Bon, voilà. Là, le boy. Là, on arrive. Je cherche un truc, mais il est là en gros. Attends, il y a un sanglier qui me hagar. Pas besoin d'aide. Non, j'attends juste qu'il m'attaque et que je le défonce. Oh putain. T'es à combien de PV là, Yo-Yo? Je suis 70. 70, je suis à 93. Mais je m'en branle. Ok. Alors attends. Ah, il en faut deux, putain. Il en faut deux. Et le vieux repart à la maison. Bon, c'est bien ça, les trophées, ça permet de faire spawn les boss. Est-ce qu'on peut faire, on peut le faire spawn autant de fois qu'on veut? Bah, on a trouvé une autre pierre comme ça, donc je pense que oui. Ouais, mais est-ce qu'une pierre est infinie? C'est juste un trophée? Comment ça se passe? Moi, je pense pas qu'une pierre soit infinie. J'ai équipé mes flèches les plus puissantes. J'ai équipé ma hache la plus puissante. Ah, mais du coup, ça veut dire que je peux me prendre à deux haches? Oh, ce coup-ci, vous êtes vraiment prêts? Oui. Oui! Normalement, ça devrait être ready. Attends, j'ai mon champignon qui va bientôt se finir. Ouais, la même. Tiens, un petit coup de champi là, ça fait pas de mal. Hop. Vas-y! Et... Rien ne se passe. Oh! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Oh! Oula! Grosse bête! Oh! Oula, oui, la foudre! Ah! Grosse bête! Je mets des flèches. Bon, il prend assez tarif en vrai. Par contre, il est très beau. Il va faire une attaque. Non, c'est bon. Faut que je remonte en différence. Vas-y, tape-moi. C'est pas un peu pour ma part. Hein. Moi, j'ai de la bouille un peu. Non, moi, ça va. Il va crever. Faut que je recharge mon endu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce dans le sol. Ah, vous faites du... Ok, vous faites du surplace. Je perds la co. Ne lâche pas maintenant. Oui, on t'entend toujours. Ah, le jeu, il met le signal perte de co en haut à gauche. Ah yes. Là, pour moi, il s'enfonce dans le sol. Il est bientôt mort. Ah, moi, il est encore midlife. Ah oui, non, d'accord. Qui va vouloir voir? Bah, il l'a eu. Il l'a eu. Ah, c'est bon, oh putain, sa vie qui descend. Ok, il est mort. Pourquoi il y a une poutre en bois qui apparaît en mode. Bois dur, ah, c'est ça. Bois dur, pioche, c'est ça. Vous avez combien de bois dur? Non, c'est lui qui l'a obtenu, non? Moi, j'ai rien deux obtenu. Bois dur. J'ai rien obtenu, moi. Vous voulez du bois dur? J'en ai un, moi. Tenez le bois dur. Ah d'accord. La pioche elle va être utile. Ah. Et du coup le y a un trophée. La pierre est encore là. La pierre est encore là du coup. Ah et on peut re-offrir, donc je pense qu'on peut faire respawn le boss si besoin. Ouais parce qu'en fait tu peux en avoir 20 trophées du machin. En fait, en fait tu vois le lieu où on a spawn. Et ben en gros le faut rendre ça. Rendre les trophées au lieu de spawn. Ah oui, je suppose qu'il y en a 4 et le 5e c'est là où on spawn. Il y a, bah, je sais pas, l'image sur la. Il y a 4 stèles autour d'un point. Il y en a 5, je crois. Oui, mais regarde, il y a 4 stèles et un point. Il y a Jean-Michel Corbeau. Ah, pour faire les pièges en bois. Il y,
Il y a pas de corbeau. Nous faire ça officiel avec votre trophée du déchu. Attends, oui, mais il faut que tu nous passes le trophée pour qu'on ait Jean-Michel Corbeau. Ah oui. Attends. Tiens. Oh, putain. Ouf, c'est pas un petit truc. Bonjour monsieur Corbeau. Il est où, connard? Ouais, il est parti. Il a tourné à la maison. Ouais, je suis c'est pour la crafter la pioche. Je pense que ça donne. Oui, mais de toute façon, moi je vais m'arrêter. Hein. Ah, oh putain, la pioche elle creuse. La pioche elle creuse en carré. Oh. Quoi? Elle creuse en carré? Oui. Regarde dans la maison. Regarde dans la maison. Elle creuse en carré, hein. Pourquoi t'as testé ça dans la maison? Il y avait un caillou, je pensais le détruire. Ah, par contre, oui, on peut détruire le gros caillou. Elle est débile, t'as pété la maison. Mais qui aurait cru que ça allait péter aussi le caillou? Enfin, que ça allait pas péter le caillou, surtout. Ouais, parce que le caillou, il est encore là, hein. Ça... Yohan est dévasté, il parle plus. Non, mais ça, c'est pas grave, en vrai, c'est ça coûte juste 4 de pierre de le remettre. Et c'est ah, ok. Mais en vrai, non, ça serait pas con que tu fasses, Nat, faudrait que tu fasses ça sur tout le sol de la maison. Qu'on mette des planches. Ça, ah, mais du coup, je peux aplanir là où tu aurais bien pas aplanir. Ouais. Bah alors, faut faire ça, mais en priorité la prochaine fois. Mec, j'ai des gros bugs. Genre, là, il y a un trou ici. Genre, attends. Je crois que c'est toi qui me faisais bugger. Là, il y a un trou devant moi. Parce que pendant que je... Un gobelin. Ah, je mine le gobelin. Ah, j'ai creusé le gobelin. Mais quoi, mais il y a un trou qui vient de spawn dans le sol. Oui, c'est moi qui l'ai fait spawn. Un trou. John, il bug à une puissance que même Dieu, il comprend pas. Attends, on peut creuser jusqu'à très profond ou pas? Mais putain, pas on dirait. Bah, Dieu. Hein. Plus tu creuses, plus les fins le... Non mais... Ça va coûter 20 000, on va mourir dans ce trou de merde. Tu te rends compte que ça va nous coûter de la pierre? Et comment tu ressors maintenant? C'est malin? Je suis dans une fosse commune. Mais comment tu ressors? Comme ça. Mais quoi? Mais oui, mais tu peux faire des doubles jumps avec les murs. Quand même, le Mario. J'aurais envie de t'ensevelir. Mais c'est bien au moins, avec la pioche, on peut creuser comme des malades. Mais oui, mais ça sert mines. À rien, là, t'as juste fait un gros trou dégueulasse. Par contre, j'imagine que les mines, si tu mets pas des poutres... Tu peux creuser en avant ou... Non, on peut creuser en face. Regarde. Mais arrête de faire des trous. Bah va dans ton trou, essaye de creuser en face. Maintenant qu'il est fait, ton trou. Ah, c'est encore plus pété que... Mais non, mais arrête! Non, mais arrête! Le plus profond! Le plus profond! We need to go deeper! Et tu te rends compte? Attends, non, mais arrête vraiment parce que ça va m'énerver. Oh, attends, je l'ai touché l'eau! J'ai touché l'eau, mec! Putain, mais ça va coûter une blinde à reboucher ces conneries! J'ai obtenu 3 points de cailloux. Rien qu'en creusant comme ça. Mais on s'en branle! Va falloir réparer tes conneries. Mais au moins, il y a une forme de limite, c'est l'eau. Non, mais tu te démerderas, tu reboucheras tout ça. J'ai pas là où. Bah, elle est dans le coffre. Je me bats les couilles, tu te démerdes. Dans quel coffre, là où? T'as un coffre à stock qui est là. Tu rangeais les coffres, tu saurais. Ah, ça. Mais je range pas les coffres. C'est bien ce qu'on te reproche. C'est bien ça le problème, oui, t'as bien cerné tout le problème, c'est bien. Alors là où? Est-ce que j'en j'aplanis correctement là? C'est clic gauche pour aplanir ou Il est con ou il est con? Tu veux pas aplanir? Là tu veux reboucher. Pour rehausser le sol. Rehausser le sol, hein. Ah, c'est hors de portée de la table de fabrication. Mais pas ici. Ça à l'endroit où c'est inutile, du coup ils viennent utiliser 8 de pierre pour rien. Ouais, mais c'est trop loin de la table de craft. Il y aura une petite butte. Comment on remet des plantes?
pas de l'herbe. C'est tout seul, je crois. Pourquoi t'as fait si. Ça Parce que j'arrivais pas, je pouvais pas. Il peut pas reboucher ça. Non, mais attends, mais j'ai rehaussé. Non, t'as pas rehaussé, t'as creusé un trou. Bah j'ai l'option rehaussé. Non, il a rehaussé, parce que c'est parti d'en bas. Rehausse plus haut. Ah, je crois que tu devrais bouger. J'ai pas assez de pierre. Ah ah. T'as entendu? Là, il va voler la pierre. On a dûment récupérer. Bah, c'est surtout moi qui formais la pierre. Mais c'est... Non, mais c'est pour ça, t'étais trop con de faire ça là, parce que... Paul Corbac. Parce qu'on l'a tous farmé, la pierre. Tous. Moi, j'avoue que c'est moi qui ai le moins farmé, quand même. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce caillou? Super de bâtisse. Le casser. Ok. Oh. Mais attends, mais tu me voles en plus ma pierre, enculé. Non, je l'ai pas, ta pierre. J'en ai pas. Ah oui, c'est ça que tu voulais faire, là. Ouais. Ça sert à rien. Ouais, mais ça m'amuse. Il y avait déjà les escaliers. Donc... Putain, le bois, par contre, il tire une de ses gueules. Ah ouais, il est pas bien. Ah oui, d'accord. Tu veux me frapper. Ah oui, d'accord, c'est une plateforme à la con, quoi. Ah oui, c'est juste une petite vigie. Et ça égaye un peu la maison. Par contre, je sais pas vous, mais cette espèce de petit cercle de menhir, là, je l'aime bien. Là où Net a creusé la tombe, en fait. Ah non. Ouh, la grosse pierre. Non, mais attends, je viens de réagir. J'ai un problème. Il est coincé dans le trou. Mais non, laisse les gros cailloux, ils sont beaux. Ces gros cailloux, là. Ok. Bah oui. Prends des petits moches. On peut faire un feu dans la maison, les gars. Comment? Il y a des petits trous en haut de la maison. Mais oui, c'est aux extrémités du machin. À la limite, mets le feu à l'étage. C'est ce que je comptais faire. Comme ça, on met la cuisinière dessus et ça sera un peu plus RP. J'ai un gros problème. Comment on fait les double jumps que vous dites? Faut avoir beaucoup d'endurance. Il faut que tu cours. Tu cours, tu sautes sur un... Tu spammes saut sur un mur. Oula putain, par contre, on va avoir un problème de gobelin là. C'est bon. Placement invalide, quoi. C'est peut-être trop loin du. Non, il veut pas le placer sur le plancher, je crois. Peut-être logique en même temps. Oui. Ah bah, du coup, on met la cuisinière en bas. Triste, mais. La fumée, je crois qu'elle passe à travers le plancher. Si ça nous enfume. Bon. Ouais, mais non, mais ça va pas être possible. Ouais, mais le problème, c'est que les lits sont inutilisables et on peut pas cuisiner, quoi. Faudrait faire un trou, mais faudrait faire une conduite, c'est ça fait chier. Attends, je regarde ce que je peux faire. Ah non, mais c'est bon, je sais. Putain, ça fout de la fumée partout. J'ai une idée. Donc, on va partir du principe que le feu va être là. Prends en compte qu'il faut mettre la cuisinière à côté. Mais... Oui, mais ça prend une case, enfin je me comprends. Alors je le précise jusqu'à où, mais la pioche prend beaucoup d'endurance. Ça c'est logique. Je m'en doutais un peu. On va passer même pire, mon cher Michel. Est-ce qu'il y a des poutres en... Oh oui, il y a des poutres en diagonale. Alors je voulais faire un test là. Okay. Donc. Mais du coup, on peut putain de creuser des putains de douves.
ça fait un peu plus RP là. Mmh. Par contre, c'est vrai que pas pouvoir interagir avec quoi que ce soit quand on a le marteau, c'est chiant. Oh, je vois. Je crois que t'as même pas besoin de mettre celui-là. T'en mets un autre et tu mets genre un truc comme ça. Ah si, ça fait mieux comme ça en fait. Après, je peux mettre juste un demi. Attends. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, genre une demi au-dessus et une petite dalle à la limite. Alors, ici. Tu préfères à droite ou à gauche? À gauche, parce que ça couvre bien. Donc là, c'est... Attends. Je peux te montrer juste ce que je voulais faire. Juste deux secondes. Ah, mais j'ai plus de bois, attends. Ouais. Oh là là. Le problème, c'est qu'on peut pas mettre la cuisinière par-dessus. Oh merde. Alors, je vous préviens, hein, mais je pense qu'on va très vite avoir un problème de gobelin, là. Bah, rentre dans la maison. Non, mais dans le sens où il y en a beaucoup qui peuvent venir, quoi. On peut placer la cuisinière par-dessus. On peut peut-être la faire glitcher un peu dans... Oui, on peut. Bah, mets là. Alors, en vrai, c'est le truc qui a été le plus simple à faire, et c'est pourtant ce que je préfère dans cette baraque. C'est vrai qu'il est très beau. Ça fait vraiment petite chaumière. Et ça, c'est putain de beau. Attends, est-ce qu'on peut dormir dans les lits? Normalement, non. Faudrait rehausser le... Ouais, non, il est pas à côté. Ou sinon... Faut déplacer le lit. Faut mettre les lits là. Ouais, mais faut les reconstruire, j'ai plus de bois. Enfin, par contre, j'avais pas vu ça. Quoi? Il y avait un morceau du... Ah. Bon, ouais, on peut les déplacer, les lits, en vrai. Oui, en vrai, ça coûte quand même. Faudrait rehausser le sol aussi, là, c'est chiant. On fera ça le prochain coup, parce que moi, en vrai, vraiment, je vais me coucher. C'est une belle cahute. T'es où, Nat? Reviens là-bas. Je refaisais le trou, là. C'est le trou qui spawn au milieu de n'importe où. Qu'est-ce que t'en penses, là, des cailloux, là? Moi, je les aime bien. Petit champ de cailloux. Bon, t'as rebouché tes conneries? Oui. En vrai, j'avoue que c'est cette petite cheminée là. De dehors, du coup, ça rend comment? Au secours. Oh là là. En plus, ça rend bien avec ton échelle sur le côté. Bon, par contre, c'est pas très pratique pour le poste de pied. Non, mais. Ah oui, d'accord, je vois le délire de la cheminée. Attends, je peux même faire un truc un peu mieux. Je pense. Là, y'a personne qui va pouvoir rentrer dedans, quoi. Je pense que ça va bloquer là pour le coup. Faudrait limite que tu le mettes au truc d'en dessous. Attends, on va faire des tests. Que ça t'enfume, Nat? Non. Parce que je vois plus trop de fumée qui sort. Non, ça va. Ah non, ça enfume le feu. Ça enfume le feu. Ouais, là, ça l'éteint, ça. Si tu veux vraiment en mettre un, faut mettre celui d'en dessous. On va faire des tests. C'est celui-là, ouais, je pense qu'il faut laisser comme ça. Bah, ouais, c'est bien. Je suis pas sûr. Attends, il est trop loin du feu, même à l'étage, quoi. Ah, ça en met à l'étage? Non, à l'étage, on est trop loin pour dormir près du feu. Donc on soit vraiment plus... Ouais, il faut déplacer les lits, quoi. Oui, mais je vous rappelle que je dois aller me coucher. Oui, non, mais c'est pas maintenant, mais on déplacera les lits. Donc là, faut que tu t'arrêtes. Bah, d'où il faut que je m'arrête? Parce que moi, faut que j'aille me coucher. Oui, mais non, mais d'où je suis concerné, je veux dire, j'ai rien fait. Je suis l'host du serveur. Si je quitte, je vous quitte tous. Oui. Moi, je fais déconnexion. Oui. Donc, faut que t'arrêtes. Oui. C'est bon, c'est parti. Oui. Ouais.